Top Antenne. Oui, bonsoir. Je me présente, Jérôme Lepêtre, je suis journaliste pour l'agence de presse AEF et je suis votre hôte ce soir. Bon. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, vous le savez. On est ici à l'initiative de l'intersyndicale de la Loire qui a décidé d'inviter les représentants nationaux à venir débattre de la réforme des retraites et de la mobilisation contre cette même réforme. Cette soirée s'inscrit dans une temporalité particulière, puisqu'aujourd'hui même, le débat s'est enclenché effectivement au Sénat, et qu'on est à quelques jours de la 6e journée de mobilisation visant à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Cette soirée doit prendre fin vers 20h30. Elle se décompose en plusieurs séquences. Une première séquence avec un mot de bienvenue du maire de Laricamarie, M. Cyril Bonnefoy. Ensuite, une intervention de l'intersyndicale de la Loire, qui resituera cette soirée dans le contexte de la mobilisation départementale. Ensuite, une table ronde avec les responsables nationaux organisée en deux temps. D'abord, un retour sur les points durs de la réforme. Et ensuite, une deuxième étape sur les caractéristiques de la mobilisation visant à aboutir au retrait de cette réforme. Et enfin, en clôture, il y aura le retour de l'intersyndicale départementale qui viendra préciser les modalités d'action du 7 mars dans le département. Comme vous le voyez, le programme est particulièrement chargé ce soir. Donc sans attendre, je vais passer la parole à M. Cyril Bonnefoy qui nous accueille dans cette salle. Mesdames et messieurs, Laricamarie est très heureux d'accueillir les représentants de l'intersyndicale nationale, départementale, très heureux de vous accueillir. Par le choix de venir à Laricamarie, vous montrez cette volonté rare de vous adresser aux territoires périphériques, aux villes qui sont rarement écoutées. Nous vous félicitons de ce choix. Après Albi, Laricamarie, que d'honneur le jour de l'ouverture des débats au Sénat de vous avoir ici. Cette réforme de retraite touche plus qu'ailleurs les villes moyennes, ces villes post-industrielles marquées par la production minière, sidérurgique et textile. Laricamarie, les vallées ouvrières font partie de ces territoires anémiés où, après avoir été exploités, éventrés pour la production de charbon, avec des hommes cassés, cabossés par leur travail et à bout de souffle à cause notamment de la silicose, sont aujourd'hui des territoires quelque peu abandonnés. En noter qu'en plus de la silicose, vous m'excuserez mes 30 années de pratique infirmière dans un hôpital public, ressortent, nous avons aussi accompagner les ouvriers des forges atteintes par l'amiante, le cancer de la plèvre. Je sais que vous êtes nombreux à avoir été touchés par ces pathologies liées au travail. Laricamarie, aujourd'hui, c'est 8000 habitants. Nous avons 55% de logements sociaux, avec des habitants qui sont marqués par des emplois raréfiés, des carrières hachées, des ouvrières et des ouvriers de première ligne, des femmes isolées ou bien encore par des processus migratoires nombreux. Vous comprenez que cette réforme prend un sens particulier, une résonance particulière pour Laricamarie. Nous sommes donc fiers de vous accueillir parce que Laricamarie a aussi une histoire particulière avec la classe ouvrière. C'est au cœur de ces endroits abîmés que souvent naissent l'espoir, des expériences nouvelles, des solidarités renouvelées. Je citerai un nom, celui de l'homme dont la statue domine la place de la mairie, Michel Rondet, l'un des premiers créateurs des solidarités ouvrières, avec notamment la reconnaissance des délégués des mineurs en 1890. Et des caisses de secours et de retraite en 1894. Un des rares ouvriers représentés sur une place en France. Je citerai un moment
la fusillade débrûlée le 16 juin 1869, qui a vu, après un mouvement de population pour se solidariser avec les mineurs grévistes et emprisonnés, les soldats ouvrir le feu. 14 morts, dont une femme et un enfant de 16 mois. Cet événement aurait inspiré Émile Zola dans Germinal. Aujourd'hui, nos habitants sont tout aussi grands. Ils continuent à se solidariser, à se mobiliser pour améliorer le quotidien dans les associations, les syndicats, sur la Ricamari et ailleurs, qui amortissent très souvent les désengagements toujours plus importants de l'État. Les grandes femmes et les grands hommes sont plus anonymes, mais sont nombreux sur nos territoires. Ils sont présents, discrets, invisibles, mais indispensables pour notre ville, pour nos villes. Je veux leur rendre hommage et je veux vous rendre à toutes et à tous hommage. Je me suis permis d'insister sur cette histoire parce que votre présence ce soir ici, salle Fernand Montagnon, a du sens. Nous sommes fiers, je vous le dis une nouvelle fois, de vous accueillir parce que nous savons l'impact de l'enjeu de cette réforme des retraites sur la vie de nos villes ouvrières. Cette réforme ne défend pas le travail. Macron défend les oisifs, ceux qui vivent des dividendes et des rentes immobilières, ceux qui vivent sur le travail des autres. Et elle défend cette société des héritiers. C'est pourquoi ils veulent passer en force, en méprisant les hommes et les femmes de la Ricamari et d'ailleurs, avec leur carrière incomplète, les femmes, très nombreuses, isolées parfois sur la Ricamari, les plus fragiles. En méprisant le rejet populaire et massif de cette réforme, près de 90% de la population active sont hostiles à celle-ci. En méprisant l'intersyndicale, ici présent, unanime contre cette réforme, aujourd'hui indispensablement unie, et c'est précieux pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Merci à l'intersyndicale. Mesdames et messieurs, la démocratie, c'est tenir compte d'un pays et d'éviter de le fracturer. Visiblement, un autre choix est fait par Macron et consorts. Mesdames et messieurs, passer en force a toujours des conséquences. Tout cela uniquement pour 12 milliards, alors que la réforme va provoquer des milliards de nouvelles dépenses, soit au chômage, soit en invalidité, soit au RSA. Alors, faisons nôtre la citation d'Ambroise Croizat. Faisons vivre cette aspiration à la vie. La retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort. Cela doit être une étape pour une autre vie. C'est ainsi que, ce jeudi 7 mars, la ville de la Ricamari sera fermée dans le cadre de la dynamique des villes solidaires. De très nombreux élus de la ville de la Ricamari présents dans cette salle seront à côté de l'intersyndicale, seront avec vous à Saint-Étienne et sur l'ensemble du territoire national. Et votre présence très nombreuse ce soir confirme que le rejet est unanime. Que cette réforme injuste et inutile doit être retirée. Mesdames et messieurs, faisons grandir la colère. Plus que jamais, l'avenir est ce que nous en ferons. Tous ensemble, parce que c'est unis qu'on obtiendra le retrait de cette réforme. C'est notre force. Et encore une fois, merci d'être venu à la Ricamari. Monsieur le maire, merci beaucoup pour cet accueil. Maintenant, j'invite l'intersyndicale de la Loire à monter à la tribune. J'invite donc Mireille Caro pour la CGT, Sylvie Boccini pour la CFDT, Éric Blachon pour Force ouvrière, Yves Bornard pour la FSU, Corinne Mondon pour l'UNSA, Myriam Garcia pour Solidaire, Alain Rochette pour la CFE-CGC, Delphine Usanaz pour la CFTC et Elsa pour la CNT.
Cyril, mesdames et messieurs, camarades, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir. Alors, comme nous en avons pris l'habitude depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, eh bien, nous avons décidé d'une expression commune, comme à l'issue de nos manifestations, car c'est tout un symbole. En effet, depuis les prémices de ce projet de loi, nous avons, organisations syndicales et de jeunesse, constaté le peu de considération accordée par le gouvernement et à l'expression de nos attentes comme de nos alertes. L'union est notre seul espoir. Pour autant, la totalité du monde politique n'est pas insensible à nos attentes. Et aussi, nous voulons remercier chaleureusement et fraternellement Cyril Bonnefoy, maire de Lary-Camari, et toute son équipe municipale, les élus et les services techniques qui nous ont permis d'organiser en un temps record ce rassemblement. Comme nous l'a rappelé Cyril, Lary-Camari est un haut lieu de lutte des travailleuses et des travailleurs de la mine pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Merci aussi à nos représentants nationaux et régionaux, Marie-Lise, Philippe, Frédéric, François, Sylvie, Benoît, Simon et Dominique, qui ont trouvé le temps de venir à notre rencontre malgré leurs agendas respectifs bien chargés, comme vous le devinez, en cette période. Vous voir réunis dans cette salle est le signe fort du bien fondé de notre action dans la Loire. Quand 70% de la population sont contre cette réforme telle qu'elle est présentée, c'est-à-dire partielle et incomplète, quand 90% de la population approuve la façon dont nous conduisons la contestation sans heurts mais avec détermination, nous nous interrogeons. Où est passé l'esprit démocratique de ce pays et qu'est devenue la notion de dialogue social ? Symbole encore, notre mode de fonctionnement en intersyndical. Cette unité n'est pas une façade. Depuis la première manifestation du 19 janvier, il ne se passe pas une journée sans que nous échangions sur les modalités du rassemblement suivant, sur les rencontres avec les politiques, sur les attentes qui nous remontent de la population. Ce collectif s'écoute, se complète et sans considération de prééminence est tourné vers un objectif unique, faire reculer le gouvernement sur cette loi. Des politiques de tous bords, y compris d'obédience gouvernementale, ne veulent pas non plus de cette loi sous cette forme. Elles et ils comprennent que les chiffres annoncés pour justifier l'urgence d'une telle loi ne sont pas si catastrophiques. Elles et ils comprennent que les chiffres annoncés quant aux résultats espérés ne sont pas toujours réalistes. Dans toute la Loire, de Saint-Étienne à Rouen, en passant par Montbrison, les manifestations ont été d'une ampleur jamais vue depuis plusieurs dizaines d'années. Nous sommes nombreuses et nombreux à nous opposer à cette réforme des retraites, des salariés du privé, du public, des retraités, des privés d'emploi, des jeunes qui refusent de voir sacrifier 2 ans de leur vie. Le 19 janvier, nous étions 50 000 à Saint-Étienne et 12 000 à Rouen. Soit près de 10% de la population du département. Nous étions encore plus nombreuses et nombreux le 31 janvier et même durant la période de vacances scolaires qui a suivi, la mobilisation a continué sans faiblir. Au-delà de ces grands rassemblements, des initiatives locales ont eu lieu, comme à Montbrison, avec une marche au flambeau le 16 février, où ont défilé plus de 1500 personnes dans les rues de cette sous-préfecture habituellement modérée. Dès 2022, nous, organisations syndicales et de jeunesse, alertions le gouvernement sur le sentiment d'injustice que pouvait générer son projet de loi. Et lorsque la Première ministre a annoncé
le 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation, un profond sentiment d'injustice nous est remonté, nous mettant en injonction d'organiser la contestation. Cette réforme est inacceptable pour les Ligériens et pour les Français en général. Inacceptable car elle est brutale. Inacceptable car elle est injustifiable. Elle est brutale pour tous, car cette réforme veut dire plus de 2 ans ferme pour tous. Elle est brutale pour les jeunes, car leur entrée dans l'emploi est de plus en plus précaire. L'accès à un emploi stable sera pour eux encore retardé par cette réforme. La possibilité d'avoir une retraite pleine était déjà singulièrement entamée par toutes les réformes précédentes. Avec cette réforme, elle s'éloignerait comme la ligne d'horizon. Avec la réforme, les salariés n'auront d'autre choix que de partir avec une carrière incomplète. Situation aggravée après des années de précarité, notamment pour les femmes. La réforme va donc encore accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes. Cette réforme est encore plus brutale pour les femmes, car ce sont elles qui ont les carrières les plus hachées, les salaires les moins élevés, du temps partiel imposé, et donc les retraites les plus entamées. Pour elles, les retraites seraient non plus entamées, mais clairement amputées. Quant à la revalorisation du minimum retraite à 85% du SMIC, c'est un véritable leurre. Cette disposition est déjà prévue par la loi depuis 2003. Le gouvernement indique donc vouloir mettre en œuvre une mesure déjà prévue, en oubliant de préciser que ce sera conditionné au fait d'avoir une carrière complète, sachant que le nombre d'annuités de cotisation va augmenter. C'est un peu comme reculer la ligne d'arrivée pendant le déroulement de la course. D'autant plus qu'avec la dernière réforme de l'assurance chômage, ce sera la double peine et davantage de précarité. Plus pour les 80% des retraités qui ont une pension inférieure à 1 000 euros, sans avoir de carrière complète, cette mesure ne changera strictement rien. Madame la Première ministre, dans sa présentation de janvier, a parlé d'une réforme d'équilibre, de justice et de progrès social. Nous avons eu beau chercher dans ces annonces, nous n'avons rien trouvé qui ressemble à ces qualificatifs. Mais au contraire, nous avons entendu que des mesures de régression sociale accentuant les inégalités et les injustices. Quant à l'équilibre qui sera soi-disant retrouvé, depuis 1993 et la réforme Balladur, les gouvernements successifs ont réformé à tour de bras sans que l'équilibre ne soit garanti. On nous dit vouloir sauver le reste système par répartition, alors que celui-ci n'est pas en danger. Les seules menaces qui planent au-dessus reposent sur une réforme qui va conduire à abaisser le niveau de pension et ouvrir pour celles et ceux qui le peuvent à la capitalisation. Le financement du système des retraites ne nécessite absolument pas une mesure aussi brutale, qui, en plus d'être injuste, va pénaliser les travailleuses et les travailleurs les plus modestes. Nous le réaffirmons, il n'y a pas de problème dramatique de financement de notre système de retraite qui justifie de telles mesures. Pourtant, le gouvernement ne cesse de répéter que notre système est au bord de la faillite, qu'il est durablement déficitaire. C'est faux. Même les chiffres fournis par le Conseil d'orientation des retraites en témoignent. Néanmoins, le gouvernement envisage des économies de 17,7 milliards pour 2030. Des économies qu'il entend faire sur le dos des travailleuses et des travailleurs et des retraités, alors que la dégradation des ressources du régime est directement liée à la maîtrise de dépenses du personnel du secteur public et du développement du système de primes
en lieu et place d'augmentation de salaire intégrant les cotisations sociales. Ce sont ainsi 80 milliards d'exonérations de cotisations, rien que pour l'an dernier, qui ne rentrent pas dans nos caisses de protection sociale. Rappelons aussi que les aides publiques aux entreprises représentent 13 fois le déficit annoncé des retraites. 20 milliards de cotisations par an ne rentrent pas dans les caisses de retraite, mais vont vers l'épargne salariale. En 2022, les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont touché 80 milliards, un sommet jamais atteint. Les véritables motivations de cette réforme sont bien d'utiliser les fonds dédiés à la retraite pour de nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises et qui profiteront d'abord aux grands groupes. En augmentant les salaires de 5%, on aurait d'ores et déjà 9 milliards de cotisations, rien que pour les salariés du privé, soit la moitié de ce que le gouvernement espère économiser. Alors que l'hôpital public est en train de craquer, des centaines de milliers d'embauches sont nécessaires. En embauchant 300 000 fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière, ce sont près de 5 milliards supplémentaires qui seraient collectés pour les retraites. L'idée selon laquelle le système serait en danger est donc totalement fausse. D'autres leviers existent pour financer la retraite. Stopper les exonérations de cotisations sociales. Mobiliser les 157 milliards d'euros annuels d'aides publiques aux entreprises. Mettre à contribution les dividendes et les revenus financiers des entreprises. Élargir l'assiette des cotisations et y intégrer les primes des fonctionnaires et aussi l'intéressement et la participation. Mettre fin au 28% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Cette mesure rapporterait 6 milliards par an dans les caisses. Améliorer l'emploi des seniors aurait également une incidence positive, à la fois sur les conditions de retraite des salariés et sur le financement des caisses de retraite. Mais cela implique une réflexion de fond, qui va bien au-delà de l'invention d'un index. D'autres solutions existent et méritent d'être débattues. Toutes nos organisations syndicales sont unies et déterminées, avec tous les salariés et la très grande majorité de la population, à obtenir le retrait de cette réforme. Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un niveau de retraite qui permette de vivre dignement. Plutôt que d'aligner les droits des salariés vers le bas en supprimant les régimes spéciaux, il faut au contraire que l'ensemble des salariés exposés à la pénibilité puissent partir plus tôt. La population soutient les revendications des organisations syndicales qui s'opposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et à l'allongement de la durée de cotisation. Plus que jamais, les salariés, les jeunes, les retraités s'unissent pour dénoncer une réforme brutale et injuste. Un soutien qui ne faiblit pas malgré toutes les tentatives du gouvernement pour essayer de convaincre du bien fondé de sa réforme. Mais la population a bien compris que nous serons toutes et tous concernés, toutes et tous pénalisés. Avoir le soutien de la population, c'est bien, mais il va nous falloir convaincre les personnes indécises à passer à l'action, pour mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Nous continuerons jusqu'au retrait de la réforme. Toutes nos organisations syndicales appellent à tenir des assemblées générales pour discuter des suites de la mobilisation, y compris par la grève, y compris par sa reconduction, jusqu'au recul du gouvernement, jusqu'au retrait du projet. Le gouvernement doit renoncer à reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le gouvernement doit renoncer à tout allongement de la durée de cotisation. Le gouvernement doit cesser d'employer des moyens autoritaires pour légiférer à l'encontre des intérêts et des revendications de la majorité de la population. Aujourd'hui, nous sommes unis, toutes et tous ensemble, et nous le resterons pour gagner le retrait de cette réforme. D'ici le 7 mars, nous devons déployer toute notre énergie pour convaincre et mobiliser. Notre objectif est de gagner, et si nous tenons, si nous résistons, ensemble nous gagnerons.
Merci beaucoup pour cette déclaration qui est très complète. Ça va être compliqué d'enchaîner derrière. Alors, je vais inviter à s'asseoir Philippe Martinez, que je vois, ou Maëlys Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, François Omril, président de la CFE-CGC. Sylvie Dedet, secrétaire générale de l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la CFTC. Enchaînez. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, pardon. Simon Duteil, co-délégué général de Solidaire. Et Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Alors, nul ne peut ignorer que les positions des organisations syndicales sont diverses et variées sur les questions des retraites. Hein, c'est pas nouveau, on a eu des exemples récents. Mais s'il y a des divergences en matière de position, il y a aussi une forte convergence aujourd'hui dans l'opposition contre la réforme présentée par le gouvernement. L'objet de cette première partie de table ronde est de revenir sur effectivement cette réforme, en revenant sur les mesures d'âge, les effets que ça peut occasionner, la question du montant des pensions derrière, ce qu'il n'y a pas dans la réforme, notamment la question du travail, de la pénibilité ou de l'emploi des seniors, et au final, la question financière et la répartition des efforts. La première question posée à Maëlys Léon de la CFDT, le 10 janvier dernier, la Première ministre a dit présenter un projet de justice, d'équilibre et de progrès, dans lequel, effectivement, on a retrouvé ces éléments de mesure d'âge avec le report de l'âge légal et l'accélération de la réforme Touraine sur la durée de cotisation. Quelle était votre réaction suite à ces annonces-là? Et qu'est-ce que vous pensez de manière un peu globale de cette mesure? Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici. Mon voisin vient de me dire, s'il te plaît, tu ne parles pas pendant une heure. Mais je suis parfaitement d'accord avec ton voisin. Mais voilà, je dis absolument tout ce qui va se passer sur la scène. Donc, messieurs, mesdames. merci beaucoup de l'invitation d'abord à tous les collègues et camarades qui ont organisé cette réunion un peu inédite. Et merci à vous d'être présent là. Alors c'est extrêmement impressionnant, c'est qu'on ne vous voit absolument pas. J'imagine qu'il y a du monde jusqu'au bout dans la salle. Alors il n'y a pas de scoop si la première réaction de la CFDT au moment où il y a eu les annonces sur cette réforme, et notamment avec la mesure phare qui est le report de l'âge légal, la réaction elle a été de dire non. Et je pense que si on est tous et toutes là ce soir dans la salle, c'est pour dire non à cette réforme de façon globale. Ça a été dit aussi, on est en intersyndicale et on est dans un moment un peu particulier et assez inédit pour plusieurs raisons, hein. On est en une unité syndicale qui n'a pas existé depuis plusieurs années. On est aussi avec des mouvements massifs sont implantés un peu partout en France. Et je pense que c'est une réponse à la hauteur du refus de cette réforme et qui, globalement, je vais en venir à la question, parce que merci. Je vois que elle part en sucette, elle est en train de complètement pas du tout répondre à la question. Voilà, ça c'est juste les cinq premières minutes. Hein. Pourquoi c'est non? Parce qu'en fait, contrairement à ce que dit le gouvernement, je pense qu'on a tous appris à essayer quand même de... On a tous bien compris ce qu'il voulait faire passer comme réforme. Et il n'y a pas besoin de pédagogie pour comprendre qu'elle est imbrutale, extrêmement injuste. Et elle est brutale parce qu'il y a cette mesure phare qui est le report de l'âge légal à 64 ans, qui va impacter des personnes qui ont déjà des projets de retraite, qui ont déjà commencé à se projeter et se dire dans quelques mois je voudrais partir dans telle et telle condition, et à qui on va dire non, ça ne va pas être possible. Donc ça, c'est le refus premier de la CFDT, cette brutalité, et deux, injuste, parce que la question de l'âge, c'est exactement le paramètre le plus injuste dans une réforme des retraites, où il peut y avoir
des paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais la question de l'âge légal, c'est la mesure qui frappe tout le monde de façon assez indifférenciée, alors qu'on a tous des parcours différents, toutes des carrières différentes. On ne commence pas au même âge, on n'a pas la même exposition à la pénibilité, on n'a pas les mêmes salaires non plus. Et donc, le fait que l'âge soit reculé de cette façon, ça touche voilà, un maximum de personnes. Et la profonde injustice, c'est que seuls les travailleurs sont mis à contribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va y revenir, il y a la question déficit, est-ce que le régime est en péril, oui ou non ? On peut en discuter, mais c'est la mesure qu'il ne fallait pas prendre. On en rediscutera un peu plus tard dans la table. Voilà. Philippe Martinez, même question. Enfin, quelle est votre première réaction quand vous voyez effectivement que la mesure d'âge et l'accélération de la durée de l'augmentation de la durée de cotisation est mise sur la table par la Première ministre ? Bonsoir à toutes et à tous. La première réaction, c'est de dire ceux qui proposent de faire ça n'ont jamais travaillé de leur vie ou ne connaissent pas le travail. Parce que, autant le travail est essentiel dans la vie, évidemment pour manger, pour vivre, pour discuter, échanger, parce qu'on est très attaché au collectif. Évidemment, quand on est syndicaliste, on est très attaché au collectif. Mais il y a un temps pour bosser, et puis il y a un temps pour faire autre chose. Et c'est là où la réaction, elle est forte de la part, pas que des syndicats, on le voit dans les mobilisations, des gens qui disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on nous fasse travailler 2 ans de plus. Elle est injuste, bon, Marie-Lise l'a dit, elle est injuste. Parce que, une fois de plus, ce sont les mêmes qui vont payer, et qui vont trinquer, si je puis dire. Ceux qui vont, les actionnaires par exemple, qui vont battre un record, qui ont battu un record en 2022, eux, on ne les touche pas. Donc le poids de ce pseudo-déficit, des problèmes de la sécurité sociale en général et des retraites, eh bien, on le fait de nouveau payer aux travailleurs et aux travailleuses. Et à chaque réforme, ça a été ça. Et puis, elle est injustifiée parce que on nous fait tout un pataquès pour 3% de déficit des caisses de retraite. Il y a des tas d'entreprises privées qui sont endettées à 30, 35, 40%. C'est normal. C'est normal. C'est pour investir. C'est pour prévoir l'avenir. Et donc, voilà les motivations, en tout cas les raisons qui nous font hurler. Mais j'insiste là-dessus. On a eu l'occasion, les uns, les unes, les autres, à discuter avec, évidemment, les représentants du gouvernement, et notamment la première d'entre eux. Des fois, quand on leur parle du boulot, des conditions de travail, ils nous regardent avec des yeux tout ronds, en se disant « Mais de quoi ils me parlent, cela ?» C'est ça, le plus gros problème. D'accord, merci. Non, c'est à part tout le monde. Je viendrai après. François Omeril. Non, c'est après, là. Vous n'allez pas tous le faire. François Omeril, si cette réforme, ça a été dit tout à l'heure par l'intersyndicale locale, notamment, pénalisait particulièrement ceux qui commençaient tôt à travailler, ceux qui avaient des parcours heurtés, notamment. Pourquoi elle est rejetée par une organisation comme la CFE-CGC, qui représente plutôt des personnes qui ont des parcours plus favorisés, je dirais. Alors, d'abord, premièrement, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être concerné, d'être impacté par l'injustice d'une mesure pour se mobiliser contre une mesure injuste, premièrement. Ensuite, c'est pas parce que mon organisation représente les membres de l'encadrement qu'elle représente exclusivement des gens qui ont commencé leur carrière à 25 ans. Il y a des gens qui, dans leur carrière, dans leur vie professionnelle, ils commencent à 20 ans, ils s'investissent dans leur travail, ils ont une évolution de carrière, comme on dit aujourd'hui, ils ont pris des responsabilités, et c'est pas à ce titre-là qu'on doit aussi les pénaliser à ce titre, parce que cette réforme, justement, moi je reprends les arguments de mes deux collègues, elle a ceci de particulier,
qu'elle cible des catégories de personnes, et parce que les 13 milliards, il faut bien les trouver quelque part, et donc il y a des populations, ceux qui ont commencé très tôt, ceux qui ont justement eu une évolution de carrière, etc. Enfin bref, il y a des populations particulières. Je vais y venir. Il y a les femmes qui ont eu des enfants, qui sont particulièrement pénalisées dans cette réforme. Eh bien, tout ça, ça justifie qu'on s'y oppose, parce que, objectivement, cette réforme, elle est inacceptable. Ce qui est inacceptable aussi, c'est une des raisons, entre autres, de notre mobilisation avec l'ensemble des syndicats dans l'intersyndicale, c'est que les motivations proposées par le gouvernement sont totalement inacceptables. La première version, c'est « j'ai besoin d'argent ». Pour financer mes politiques publiques, de l'argent, il n'y en a plus. Alors moi, comme je dis toujours, s'il n'y a plus d'argent, c'est peut-être un peu aussi parce que vous l'avez jeté par les fenêtres en arrosant les entreprises sans aucune condition, finalement, et cet argent, pour une partie importante, il a été transformé en dividendes, et pire que ça, en rachat d'actions. Il faut savoir que les rachats d'actions qui ont battu un record en 2022, c'est un tas de billets qu'on met sur la table, hein, qui peut-être ne suffirait même pas pour remplir cette salle, et on y met le feu. Et on n'investit pas pour l'avenir. Et donc ça, c'est de l'argent public. Et donc l'État est quand même fort de café de venir nous voir en disant « j'ai plus trop d'argent maintenant, faudrait travailler un petit peu plus ». Nous, on lui dit « mais attendez, ok, il y a peut-être un problème à ce moment-là, il faut que tout le monde contribue à cet effort-là ». Ah non, rassurez-vous, pour les entreprises, c'est pas ce qu'on a prévu. On a prévu de leur donner 8 milliards supplémentaires avec l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'était plutôt sur la partie financière. On peut anticiper un peu. Maintenant, on va arriver sur les effets de cette mesure d'âge, notamment sur la retraite des femmes. Ne faisant que confirmer ce qu'il y a dans l'étude d'impact, Franck Hester a fait un peu scandale à l'époque en expliquant que les femmes seraient un peu pénalisées par la réforme. Frédéric Souillot, en quoi elles sont pénalisées et est-ce que c'est acceptable aujourd'hui ? Alors bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui suis la cause femme ce soir, regardez. Oui, c'est bien que ce soit un mec qui défende les femmes, parce que je suis comme Marie, je balance aussi, hein, moi. Déjà, cette réforme, et nous l'avions déjà dit à l'époque, le quoi qu'il en coûte, de la pandémie et du reste, la facture, elle est présentée à qui ? Aux travailleurs, mes camarades, à personne d'autre. Et pour vous, mesdames, la retraite minimum, les carrières hachées et tout ce qui va avec, dans cette réforme, c'est vous qui prenez le plus cher. C'est vous dont les pensions vont baisser. Déjà aujourd'hui, 40% de ceux qui liquident leur retraite à 67 ans, c'est vous, mesdames. Pour arriver à avoir droit à une pension complète, il faut que vous alliez jusqu'à 67 ans. Et je ne parle pas du temps partiel imposé, et je ne parle pas de tout le reste. Quand on parle de pension minimum 85% du SMIC, c'est dans la loi depuis 2003. Les majorités successives présidentielle, si elles avaient voulu le mettre en place, elles le mettaient. Alors aujourd'hui, on nous a expliqué que la pension minimum à 1 200 €, c'était pour vous, mesdames. En fait, sur les 13 000 qui vont la toucher, seulement 2 000 femmes dedans. Ouais, je suis pas mal pour les chiffres, ouais. Mais, vous savez, depuis hier... comme on sait que les 7 plaies d'Égypte, c'est nous. Nous remercions d'ailleurs Olivier Véran et pour la pluie de grenouilles, c'est François qui s'en charge tout à l'heure à la sortie. Madame Dedé, pour la CFTC, qui est une organisation qui est historiquement très attachée aux droits familiaux, quelle est l'analyse de la CFTC sur cette mesure, effectivement, en direction des femmes ? Comme vient de me le dire M. Souillot, oui, Frédéric. D'abord, bonjour à tous aussi, pardon. Je ne suis pas expérimentée comme mes collègues pour parler. Moi aussi.
Oui, donc les droits, ben, justement, plutôt que d'avoir cette mesure, cette réforme qui arrive complètement dans un timing qui n'est vraiment pas bon, on vient d'avoir la crise sanitaire, on a en ce moment les problèmes de pouvoir d'achat, il aurait été de bon ton justement que le gouvernement travaille un peu plus sur justement ces droits familiaux, les augmente, qu'on regarde un peu aussi donc justement les salaires des femmes, parce qu'il n'y a pas de miracle, si on les augmente, on augmentera aussi les cotisations et on réglera aussi en partie ce fameux déficit qui n'en est quand même pas tant un. Voilà. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'on est tous unis justement pour que tout ça change. Dominique Corona, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce sujet-là aussi, sur la retraite des femmes et les inégalités qui peuvent... Alors bon, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et important qu'on puisse débattre tous ensemble avec vous de cette réforme des retraites. Alors, on sait tous que 9 actifs sur 10 sont opposés à cette réforme. Ils ont bien raison, ils ont du bon sens. Monsieur Macron a dit que les Français avaient du bon sens. Bien oui, ils ont du bon sens, puisqu'ils ont bien compris que cette réforme était injuste, injustifiée et punitive. Alors, la question sur les droits familiaux. Moi, très franchement, les bras m'en sont tombés. J'ai fait toutes les concertations avec le gouvernement. Et on a parlé, effectivement, de l'égalité femmes-hommes. Et puis, quand on regarde le projet, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit qu'on va aller vers un pseudo-rapport du Conseil d'orientation de retraite pour parler des droits familiaux de retraite que nous savons déjà qu'ils sont déjà injustes au moment où on se parle. Par exemple, nous savons très bien qu'un enfant, c'est 2 trimestres pour la fonction publique et c'est 8 pour le privé. Un enfant, quand on est fonctionnaire, eh bien, il n'a pas le même poids à la retraite que quand on est dans le privé. C'est inacceptable. Tout le monde le sait. Et est-ce que pour autant, le gouvernement a bougé ? Non. Et j'ai été moi-même extrêmement surpris d'attendre le président de la République, le 31 décembre, dire que l'égalité femmes-hommes, c'était sa priorité. Eh bien, quand on regarde sur les retraites, eh bien, il a bien oublié parce que, franchement, dans cette réforme, il n'y a rien pour les femmes. Rien, 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 et 3 fois rien. Il y a une autre thématique qui fait débat actuellement, c'est la question des carrières longues. Pour ceux qui ont commencé très tôt. La Première ministre affirme que la réforme préserve les spécificités pour les carrières longues. C'est une disposition emblématique pour la CFDT. Quelle est la réaction de la CFDT par rapport à cette question-là, aujourd'hui ? Alors, je comprends bien la question, mais je ne comprends pas bien ce que veut faire le gouvernement, en fait. C'est ça le problème. En matière de carrières longues, aujourd'hui, ça a été effectivement un sujet sur lequel on a beaucoup, beaucoup insisté, nous, depuis une vingtaine d'années. C'est de dire qu'il y a un âge légal, mais on doit quand même, il y a une durée de cotisation minimale, mais on doit aussi pouvoir tenir compte de l'âge auquel on commence à travailler. Donc, quand on dit carrière longue, c'est à partir de quand j'ai commencé à bosser. Ça peut être quand je suis apprenti avant 15 ans, avant 16 ans, avant 17 ans. Et donc, nous, on trouve que c'est vraiment une mesure de progrès et de justice sociale de dire on tient compte aussi de toutes ces situations particulières, ces situations réel de travail, tout le monde ne commence pas à travailler après 20 ans. Et donc, voilà, cette question des carrières longues, donc à partir du moment où on dit bah, c'est plus 62 mais c'est 64 ans, ça veut dire que tout le monde prend plein pot 2 ans de plus, quel que soit l'âge auquel on a commencé à bosser. Donc, honnêtement, c'est pas juste pour faire une blague, c'est qu'aujourd'hui, la question des carrières longues, elle est assez nébuleuse côté gouvernement, puisqu'à un moment, ils nous ont dit... on accélère Touraine, donc ça fera 43 ans. Ceux qui ont commencé à travailler un peu avant 18 ans, avant 20 ans, ça sera maximum 44 ans de travail. Certains pourront quand même devoir travailler quand même 45 ans. Enfin bon, c'est assez compliqué. Et puis là, comme ils sont en train d'essayer de se dépatouiller d'un espèce de deal politique avec la droite... qui plus ça va plus ils remettent 10 balles dans le bastringue pour essayer d'obtenir encore plus. Aujourd'hui les dernières annonces c'est personne ne devra travailler plus de 43 ans, donc on va tenir compte des carrières longues, sauf que dans les chiffres et les tableaux qui nous ont été remis après les annonces, et je rejoins le fait que
on ne parle pas beaucoup du travail réel, mais toutes les décisions politiques, elles sont faites sans étude d'impact. Donc on ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas combien de personnes seront concernées. Et donc on a vraiment du mal à nous, on essaye du coup de trouver des illustrations et de se dire, bon, qui est concerné, qui va être impacté par cette question des carrières longues. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement confus. C'est, la première ministre elle-même a dit c'est 43 ans pour tout le monde, sauf que dans ce qui nous a été présenté après, il y en a qui devront quand même bosser 44, voire 45 ans, en fonction de l'âge auquel ils ont commencé. Donc, c'est un foutoir pas possible, en fait. Il y a, comme les annonces sont faites, avant même de savoir qui est concerné, ils essayent de construire les trucs après. Et donc, voilà. Et quand même, alors carrière longue, ok, c'est quelque chose qui est important, mais ça n'est pas une mesure de progrès social. C'est-à-dire, quand la première ministre a effectivement dit on fait une réforme de justice, c'est pas vrai, parce qu'en fait, le fait de décaler l'âge, il faut essayer de se projeter sur qu'est-ce que ça veut dire pour tous ceux qui ont commencé à bosser tôt. Et donc, en fait, c'est une rustine supplémentaire qui est mise sur le fait que 64, ça va être quand même extrêmement lourd pour tous ceux qui ont commencé à bosser tôt. Donc, on essaye de faire une mesurette pour faire en sorte que ça passe un peu mieux. Sauf qu'on sait lire, on sait compter aussi. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement qu'on suit attentivement. Nous, on était très attachés à cette question, effectivement, des carrières longues, mais ça reste, voilà, assez. Si vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit, c'est normal, parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre et ce n'est pas clair du tout dans la tête du gouvernement ni ailleurs. Benoît Test, une question, bon, la FSU est plutôt une organisation représentant la fonction publique. En quoi la réforme vient percuter les agents de la fonction publique aujourd'hui ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait vraiment du bien d'être là ensemble pour débattre de cette belle mobilisation en cours. Effectivement, les agents de la fonction publique sont pleinement partie prenante de cette mobilisation. Ils sont pas touchés, ils et elles ne sont pas touchés plus ou moins que d'autres, hein, ils le sont au même titre. Il n'y a pas de changement structurel, contrairement à d'autres réformes et à d'autres projets qui sont toujours, qui planent toujours par-ci par-là. Mais je dirais que dans la fonction publique, c'est le cas aussi ailleurs, hein, mais il y a ce profond sentiment de mépris pour des métiers qui sont souvent au service des autres, le soin, les élèves, le fait de prendre soin de l'autre, d'être au service de l'humain. Et ça, c'est souvent des métiers d'abord dont la pénibilité n'est pas facilement quantifiable. C'est plutôt, ça se joue plutôt autour de la charge mentale, de la charge émotionnelle. C'est pas forcément de la pénibilité au sens physique du terme. Et pourtant, les agents nous disent, et on le voit bien aussi, on l'a vu même quand il y a eu le recul de l'âge à 62 ans, hein, nous disent la difficulté qu'il y a à exercer ces métiers quand on a atteint un certain âge. Et donc cette réforme, elle dit le mépris profond que ce gouvernement a pour tous ces métiers au service des autres. Ce mépris profond qui consiste à dire vous pouvez très bien aller jusqu'à 65, 66, 67 ans dans des conditions dégradées, on n'en a rien à faire. Et ça, les collègues le ressentent profondément parce que non, ils aiment leur métier et ils savent qu'à partir d'un certain moment, beaucoup d'entre eux ne pourront plus l'exercer correctement. Et on aime bien exercer correctement nos métiers parce qu'on y croit, parce qu'on est au service de la société. Et donc, il y a ça derrière cette belle mobilisation aujourd'hui. La fonction publique, elle est touchée évidemment comme les autres salariés. Et c'est assez illustratif le fait que ce sont les salaires qui servent de base au calcul des pensions. Et dans la fonction publique, c'est le salaire indiciaire. Un salaire qui est lui-même en train d'être rogné à coup de primes sur lesquelles on ne verse pas de cotisation. Et c'est complètement illustratif de ce qui se passe pour l'ensemble du monde du travail et du système global de retraite. On comprime, on gèle les salaires et on verse éventuellement des primes sur lesquelles il n'y a pas de cotisation. Et au final, après, on dit il n'y a plus d'argent dans les caisses. Eh bien oui, il n'y a plus d'argent dans les caisses parce qu'il y a moins de cotisations. Et donc, la fonction publique, comme les autres secteurs, est concernée par, par ce discours qui consiste à dire il y a alerte, il y a péril en la demeure, alors qu'en réalité, tout ça est fabriqué
pour faire une nouvelle régression des droits. Et puis dernière chose, dans la fonction publique, il y a 62% de femmes. Je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure par les uns et les autres pour dire qu'il y a une attaque spécifique aux femmes. Il y a eu une attaque spécifique contre les femmes fonctionnaires qui, effectivement, aujourd'hui, pour les enfants nés après 2003, n'ont plus que 2 trimestres. Quand on voit le Sénat discuter d'une micro-mesure permettant aux femmes qui auraient les bonifications de partir à 63 ans, c'est déjà une micro-mesure, mais il faut bien mesurer à quel point les femmes fonctionnaires n'y auront pas accès, parce qu'avec 2 trimestres par enfant, vous êtes loin d'atteindre les durées de cotisation à 63 et même pas à 64 ans. Et donc ça met en relief cette injustice fondamentale. Il n'y a aucune des injustices qui sont aujourd'hui existantes qui ont été traitées par le gouvernement dans ce projet, la décote, etc., etc. Toutes les mesures restent en l'état, et quand on voit le gouvernement du coup se targuer d'avoir fait une réforme pour les femmes, on voit bien que cet argument s'effondre jour après jour, et quand on voit les études d'impact qui en plus sont très lacunaires, on le mesure. Et donc pour la fonction publique en particulier, ce sont souvent des métiers très féminisés. Il y a là une attaque spécifique qu'il faut combattre à travers le combat contre cette réforme. Très bien, merci. Petite question à Frédéric Souillot. Dans le cadre de la préparation, Frédéric, vous m'avez parlé vous avez insisté sur les catégories actives de la fonction publique. Lors de la préparation, vous avez insisté sur les catégories actives de la fonction publique. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Bien. Dans ce projet de réforme, on nous explique que les catégories actives ou superactives vont rester. Peut-être repréciser ce que sont les catégories actives. Les catégories actives. Et tu veux que ce soit moi qui l'explique, tu veux pas, Benoît Oui, j'ai été tiré au sort, oui, bien sûr. Donc, les catégories actives, c'est 9 ans dans un service actif avec... Pas le détail, c'est en gros l'explication, c'est des types de professions qui sont tellement compliquées, enfin tellement dures, qu'il y a des droits qui sont spécifiques. Plus durs avec le travail la nuit, le week-end et tout ce qui va avec. Ben, ces catégories actives, et j'ai eu l'occasion d'aller le dire au ministre, enfin au garde des Sceaux avec les camarades de la pénitentiaire. Bah sur ces catégories actives, il va y avoir translation. Sinon, elles auront une décote, donc ils vont prendre, comme tout le monde, 2 ans de plus. Et les copains de la pénitentiaire disent aux gardes des Sceaux, donc nous, Maton, on va prendre 2 ans ferme. Mais ils ne plaisantaient pas. Donc aujourd'hui, ils pouvaient partir à 57 ans sans décote. Leur âge de départ, c'est 55. 57, parce qu'autrement, ils ont une décote qui peut aller jusqu'à 22%. Et demain matin, ils partiront à 59 ans. Et pour d'autres, ce sera 61 ans. Mais dans ce projet de réforme, qu'on parle du public ou du privé, il n'y a rien de bon. Le travail, le salaire, l'emploi réel et tout cela... Rien n'a été réfléchi. C'est une décision politique. Il faut reculer l'âge de départ, point barre. Ou qu'on travaille, eh bien, cette réforme des retraites, c'est nous faire prendre à tous 2 ans de plus. Et pour les moins touchés, les pseudo-carrières longues dont on ne sait pas encore combien de temps ils vont cotiser, ben, ils ne prendront pas tout à fait 2 ans. Ils sont chanceux, ils prendront peut-être que 18 mois au lieu de 24. Mais déjà aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Assurance chômage, maladie, invalidité, minima sociaux, pour 18% d'entre eux, et pour un certain nombre, au RSA. Eh bien, mais... Cette réforme, elle est inacceptable. Très bien. Il n'y a pas autre chose. Merci. Une petite question à Simon Dutheil. Le meilleur pour la fin. Oui. Notamment sur le devenir des régimes spéciaux. Il y a quelques fédérations solidaires qui sont particulièrement concernées.
Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a une menace effective sur le sujet ? Est-ce qu'il y a une menace ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'accueil et pour l'invitation. Sur la question des régimes spéciaux, est-ce qu'il y a une menace ? Bah oui, elle est constante. Là, on voit qu'il y a la volonté de supprimer énormément de ce qui est appelé les régimes spéciaux. Voilà, pas tous, hein, pas totalement tous les régimes spéciaux. On pourra se questionner, mais ça pourrait prendre du temps pour essayer de comprendre lesquels sont maintenus et lesquels disparaissent. Pourquoi ? Il y a du mystère. Mais bon, en réalité, oui, il y a une attaque, mais elle n'est pas nouvelle. Hein. Les camarades cheminotes et cheminots, c'est ça depuis 2018. Hein, il y a déjà eu l'éclatement sur le régime. Et ça a déjà des conséquences, puisqu'on dit, les privilégiés du rail, par exemple, puisqu'on parle des fédérations qui peuvent exister, et je les remercie de nous avoir amenés aujourd'hui jusqu'à Saint-Étienne. En réalité, aujourd'hui, c'est déjà un quart des travailleuses et travailleurs des entités du rail qui sont contractuels, qui sont en CDI, qui ne sont plus sous régime spécial. Voilà, il faut déjà avoir ça en tête. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec les décotes qui sont imposées, la possibilité de partir tôt, en fait, c'est une chimère. Sauf à croire que les gens qui travaillent avec régime spécial dorment sur des magots, quoi. C'est de l'or qu'ils n'ont évidemment pas. Non, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a ? Et ça a été déjà dit hein, par plusieurs de mes camarades, c'est une vision du travail. C'est quoi la vision du travail et des travailleuses et des travailleurs de ce gouvernement ? Incapable de comprendre ce qu'est la pénibilité. Mais pourquoi on a des régimes spéciaux ? Parce qu'il y a des moments et des endroits où il y a eu une reconnaissance et où il y a eu du rapport de force, parce qu'il y a des deux dans l'histoire, pour se dire que là, oui, ce travail, il mérite d'avoir des acquis et de pouvoir partir plus tôt. Voilà, c'est simple. Mais évidemment, des gens qui méconnaissent la réalité du travail et qui, de façon idéologique, parce qu'il faut le dire, hein, on l'a dit, il n'y a rien dans cette réforme, mais si, il y a l'idéologie de nous faire travailler plus longtemps et pour répondre à des besoins qui ne sont certainement pas ceux des travailleuses et des travailleurs. Eh bien, derrière tout ça, il y a l'attaque des régimes spéciaux, évidemment. Donc, se battre aujourd'hui contre ce projet de réforme, évidemment les 64 ans qui sont emblématiques, mais aussi préserver ce qui sont des acquis sociaux, c'est aussi de se dire comment on peut étendre. Comment, aujourd'hui, on a le besoin, collectivement, d'avoir une réforme d'amélioration sociale. Évidemment, on en est bien loin. Il n'y a aucun progrès social dans cette réforme aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là tous et toutes ensemble. Ils nous considèrent comme des fourmis au travail, mais on va leur montrer que quand les fourmis arrêtent de travailler, il n'y a plus rien qui fonctionne. Philippe Martinez, désolé de couper votre... Désolé de vous couper dans votre discussion avec votre voisine, mais la même question sur les régimes spéciaux. À la CGT, il y a des fédérations particulièrement concernées, je pense à l'énergie aujourd'hui. Quelle est votre analyse de la situation et qu'est-ce que vous répondez à ces fédérations et au gouvernement sur cette question-là ? Notamment qu'on a cru comprendre qu'il y aurait une volonté de la part du Sénat d'accélérer la disparition des régimes spéciaux. Je ne sais pas où ils en sont là, mais... Vous avez même noté que la majorité de droite au Sénat a dit ce matin que la réforme du gouvernement, ça serait leur réforme à eux, de la droite. Bon. Plus globalement, je vais venir sur les régimes spéciaux, mais moi je veux insister sur une chose, sur les difficultés du gouvernement sur lesquelles vous avez insisté. Le 10 janvier, c'était une réforme de justice sociale et de progrès social. Aujourd'hui, hormis le fait que tout ce qui va se passer dans le pays la semaine prochaine, c'est de notre faute, et tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est de la faute des syndicats et de ceux qui se mobilisent, parce qu'il faut quand même, je vais rester poli, c'est fort de café qu'un ministre de la République accuse les syndicats, et donc vous, qui vous mobilisez, de la pandémie, de la sécheresse, non mais... Quand on en arrive à ça, alors qu'on a démarré le 10 janvier en disant « c'est une réforme de justice sociale », ça veut dire que, comme on dit, hein, il rame. Et je ferai une citation de Laurent Berger qui a même dit « ils vont bientôt nous accuser, nous faire dire que c'est à cause des syndicats que la France a perdu en finale de la Coupe du Monde ». Et je me suis senti particulièrement visé parce que
le gardien de but argentin s'appelle Martinez. C'est vrai ? Donc, pour en revenir aux régimes spéciaux, premièrement, je suis pas prof d'histoire, en plus je suis entouré de deux profs, donc je fais attention. Mais les régimes spéciaux, c'est d'abord des régimes pionniers. Pour les cheminots, par exemple, c'est le premier régime de retraite qui a existé dans notre pays, bien avant le Conseil national de la Résistance, la création de la sécurité sociale et donc la mise en place de la retraite. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des régimes pionniers, parce que c'est les premiers régimes de retraite qui ont concerné des professions. Alors ensuite, Simon l'a dit, ces régimes, ils ont pris en compte au fil du temps et à chaque période des métiers pénibles. Parce que là aussi, il faut aller dans une tour d'aiguillage à 4 heures du matin pour voir que les cheminots, ça se lève de bonne heure. C'est obligé de se lever avant les autres, parce que s'ils ne se lèvent pas avant nous, bah, vous n'avez pas de train pour aller au boulot quand il y en a. Mais voilà. Donc, il faut. C'est pour ça qu'il faut toujours partir du travail. Et c'est là, je reviens sur ce que je disais, qu'il y a un blocage avec ceux qui sont en face de nous, parce que ça, ils ne savent pas qu'un aiguilleur de la SNCF, eh ben, à 4h30 du matin, il est déjà au boulot pour commencer à préparer le travail. Mais c'est valable à la RATP. Vous êtes moins concerné ici par la RATP, mais c'est valable pour la RATP. C'est valable pour les IEG, les industries énergie et gazière. Quand il y a des tempêtes, quand il y a des inondations, que ce soit la nuit, le samedi ou le dimanche, eh bien, les agents et agentes d'EDF, ils sont à la disposition. C'est d'ailleurs ce que tu disais, Benoît, c'est des entreprises publiques, c'est une conception du service public, c'est-à-dire du service aux usagers. Et donc ça doit être pris en compte. Et puis, pour ne pas être trop long, ce sont donc des privilégiés. Alors moi, je constate, et je ne suis pas le seul, que dans les entreprises où il y a plein de privilégiés, ben, ils n'arrivent plus à recruter. C'est quand même fort de café. S'ils étaient aussi privilégiés que ça, ben, à la SNCF, ça se bousculerait au portillon. À la RATP, vous n'êtes pas concerné, mais c'est bon que vous le sachiez. IRAM aussi, parce qu'il y a un déficit de chauffeurs de bus, et même ces privilégiés, quand ils sont embauchés, eh bien, ils s'en vont rapidement parce qu'ils sont mal payés, ils ont des conditions de travail difficiles, ils ont des horaires très difficiles, et puis aujourd'hui, alors que dans une partie de leur contrat, c'était de leur dire « bon, vous avez des boulots difficiles, vous allez pouvoir partir un peu plus tôt », bah, même ça, maintenant, on leur sucre. C'est ça la réalité. Et donc, je pense que c'est essentiel, et on va y revenir peut-être sur la question de l'emploi des seniors. La plus grosse difficulté, c'est que quand on ne s'intéresse pas au travail, eh bien, pour comprendre les problématiques de ceux qui bossent, c'est difficile. Et donc, c'est vraiment une réforme idéologique, sur les théories de Macron, que de travailler 2 ans de plus, qu'est-ce que c'est ? C'est pas grand-chose. Voilà, c'est ça le principe de cette réforme. Merci. Une des contreparties à cet effort était dans la retraite minimum, qui a été présentée comme un élément, effectivement, de compensation. Revenir sur les 1200 euros, le fameux sketch des 1200 euros. Dominique Corona, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé sur ce sujet-là et comment vous analysez la chose ? En fait, je vais dire comme Marie-Lise, je n'ai rien compris. Mais alors, vraiment rien. C'est-à-dire que sur les 1200 euros du SMIC net, ça donnera une pension de 1200 euros brut. Et puis à partir de là, moi, je n'ai plus rien compris. C'est-à-dire qu'on m'a donné 40 000 personnes, puis finalement, c'est plus que 10 à 20 000. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas financièrement combien a coûté cette mesure pour eux. C'est-à-dire que toutes leurs projections démontrent leur fragilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que tout est sur le sable mouvant et que tout est faux.
Et donc, comment on peut faire une mesure, soi-disant, du PLFSSR, dont on parle de finances, où tout doit être acté financièrement, quand les données sont fausses? Moi, j'attends de voir, savoir ce que va faire le Conseil constitutionnel, quand même, au bout d'un moment, parce que tout ce qu'on nous a donné, depuis le début, on gratte et on voit que c'est faux. Tous les chiffres sont faux. Alors, sur les 1200 euros, alors moi, j'avais compris au début que c'était que sur ceux qui vont rentrer. Puis j'ai entendu la Première ministre en conférence de presse dire « Ben non, non, ça va être aussi le stock. » Mais ce n'est pas dans la loi, pour l'instant. Et là, on me dit « Ça va être financé par la branche ATMP. » La branche accident de travail, maladie professionnelle, qui n'a rien à voir avec le chimlique. Et là, on me dit « Mais comme on n'a pas le droit, on va baisser les cotisations sociales employeurs de la branche ATMP, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils payent quoi que ce soit sur la retraite, et on va augmenter de concurrence, la cotisation sociale retraite. » Non mais c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va assécher la branche ATMP pour financer 1200 euros bruts pour les gens qui sont déjà en retraite. C'est-à-dire qu'au lieu de faire payer les employeurs, de dire maintenant vos employeurs, prenez vos responsabilités, eh bien on dit simplement, une fois de plus, à nous les assurés sociaux, eh bien vous payez tout cash et vous prenez 2 ans de plus. Et sur les 1200 euros, eh bien ça démontre une fois de plus que le gouvernement n'est pas capable de défendre ce qu'il fait. Donc il est du coup dans l'outrance et il peut nous accuser de tout, même effectivement de la sécheresse, parce qu'à partir du moment où il n'a plus aucun argument, il n'y a plus que l'outrance pour lui. Voilà. Et donc moi, j'invite le gouvernement à re-regarder ces chiffres et à nous dire enfin la vérité. Il faut dire la vérité aux Français, c'est effectivement 10, 20 000, combien de gens vont toucher les 1 200 euros et dans quelles conditions. Et ça, c'est extrêmement important. Et tant que le gouvernement mentira, eh bien, nous serons dans la rue et nous le battrons. Maintenant, on va aborder ce qui manque. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Il y a des sujets qui semblent être un peu aux abonnés absents dans ce texte-là. C'est la question du travail ou la question de l'emploi des seniors, notamment la question du travail autour de la pénibilité. Là, je vais reposer la question à Marie-Lise Léon pour la CFDT, qui clairement la CFDT a été très très actrice sur la définition de la pénibilité à l'époque. Quelle est l'analyse? Il y a quelques ouvertures, il y a quelques petits bougés dans les critères, dans les seuils, mais est-ce que c'est suffisant et est-ce que ça traite le problème, en fait? Alors, j'ai pas de scoop. La réponse est non, c'est pas suffisant. Pour deux raisons. Enfin, il y a deux façons d'aborder la question de la pénibilité. Il y a la question de prévenir la pénibilité et de faire en sorte que les métiers soient moins pénibles. Le plus possible, parce que un travail pénible, c'est des corps cassés. En fait, c'est une usure professionnelle et c'est des gens qui, et des travailleurs et des travailleuses qui nous disent aujourd'hui, c'est la raison aussi que la question de l'âge, le report de l'âge légal ne passe pas, c'est de dire, mais je suis en incapacité de continuer de travailler. C'est impossible que j'ai une activité, je suis peintre en bâtiment, je travaille dans un abattoir, je suis aide à domicile. À 50 ans, j'ai le dos en bouillie. Je ne peux pas me projeter et me dire je vais finir ma carrière cassée comme ça. Alors, un, il y a la question du travail qui abîme le corps. Ça, c'est un sujet sur lequel nous, on demande vraiment à pouvoir travailler sur la prévention. Donc, il y a quelques éléments dans le projet de loi qui dit qu'il y aura des fonds qui seront dédiés à de la prévention, donc à la main des branches professionnelles pour dire comment on peut faire en sorte que les travaux, les métiers soient moins pénibles, dont acte, ça très très bien. Mais le sujet, nous, le cœur du réacteur pour nous, CFDT, c'est la réparation. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est cassé par... dont on sait que son métier va l'user... ne puisse pas partir en retraite anticipée. Ça, c'est notre bagarre depuis plus de 20 ans à la CFDT. Et en fait, la raison pour laquelle c'est une mesure inacceptable aujourd'hui et complètement insuffisante, c'est que ça fait 20 ans qu'on nous dit que le gouvernement nous dit on va regarder le truc. On va regarder et puis on va faire en sorte qu'on va travailler sur la pénibilité. Ben moi, j'ai autant vous dire, depuis 20 ans, on nous raconte les mêmes salades, on n'attendra pas 20 ans de plus pour pouvoir avoir des départs anticipés. Donc nous, c'est ce qu'on demande. Et c'est ce qui n'est pas dans le projet de loi. Il n'y a aujourd'hui pas de possibilité de départ anticipé pour les personnes qui sont exposées à des critères qui abîment les corps, ce qu'on appelle les critères ergonomiques.
Je porte des charges lourdes, je fais des gestes répétitifs, je dois travailler dans des postures pénibles parce que voilà, la situation de travail, elle me l'impose. Ce sont des critères pour lesquels il n'y a pas de possibilité de départ anticipé et c'est juste ce qu'on demande. Donc c'est exactement les demandes qu'on a faites depuis des mois et des mois et sur lesquelles on nous a dit on va regarder. Ils ont tellement... Bon, ils ont peut-être regardé, mais ils n'ont pas trouvé la solution. C'est dommage, c'est que nous, on avait une proposition toute simple. Parce qu'en fait, il y a 20 ans, on nous a expliqué c'est trop compliqué. Il y a 6 ou 7 ans, on nous a dit on ne veut pas de mesures individuelles parce que ça va être trop compliqué pour les entreprises. Et nous, bon, OK, bon, on dit on peut regarder quelque chose de différent, quelque chose où... complètement général ou tout individuel. Donc on a fait des propositions concrètes qui fonctionnent. Pour le coup, nous, on a sorti les chiffres, on a regardé les métiers, on a vraiment bossé le truc. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont à peine regardé ce qu'on a proposé. Donc, au bout d'un moment, on arrête le cirque. On a regardé... nous, ça fait partie des sujets qui étaient sur la table depuis le mois d'octobre. Il n'y a pas de réponse. Donc, je dirais que c'est un des sujets pour mon organisation qui est majeur, c'est la reconnaissance de la pénibilité. Et je reprendrai On va passer là. Je termine là-dessus parce Merci. Que ça me tient à cœur. On parlait beaucoup dans cette réforme des retraites du fait qu'on ne parle pas... En fait, il faudrait parler du travail. Moi, j'entends beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui me disent aujourd'hui, qui sont dans les cortèges, qui me disent « Mais en fait, c'est beaucoup... la question du respect de mon travail, de ma dignité au travail. » Et la question de la pénibilité, c'est complètement la question de ma dignité au travail et que je n'ai pas à être cassée et reconnue par un médecin pour pouvoir partir en retraite anticipée. C'est juste ce qu'on demande. Voilà. Fred Souillot pour FO. FO partage la même analyse. La pénibilité, c'est une question de respect au travail. Déjà sur critères pénibilité, c'est la même majorité qui a supprimé tous les critères dans le quinquennat précédent. Les 4 critères physiques. Ouais. Et puis, alors, on reparle de pénibilité parce qu'en octobre, c'était plus ça dans le projet, dans les discussions. Parce qu'il fallait changer de sémantique. Parce que pour les employeurs, le travail n'est pas pénible. On parlait d'usure au travail. Mais on avait arrêté pénibilité. Et sur pénibilité, il nous faut un socle commun pour tous les travailleurs, quel que soit le métier. Et après qu'on discute par branche de la pénibilité à ce moment-là, mais ça ne peut pas être dans cette réforme qu'on en discute. Parce que dans cette réforme, pénibilité ou carrière longue, dans tous les cas, c'est recul de l'âge de départ et allongement de la durée de cotisation. Donc, on a aussi fait des propositions sur la pénibilité pendant les concertations, mais tous, et on regardait, elles avaient tous le même trait commun, le travail. Alors, on est en train de négocier un accord national interprofessionnel sur ATMP, accident du travail, maladie professionnelle, pour faire de la prévention, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de réparation. Et encore, on ne la règle pas, la réparation. Mais dans cette réforme des retraites, que nous ne voulions pas, hein, aucun d'entre nous, à partir du moment où réforme des retraites, c'est recul de l'âge de départ et allongement de la durée de cotisation, ben, il n'y a pas de réforme des retraites à avoir. Merci. Un autre sujet qui manque dans le texte, c'est un reproche à l'organisation syndicale, c'est la question de l'emploi des seniors. Repousser l'âge de départ, c'est une chose. Être en capacité de conserver en emploi les travailleurs seniors, c'en est une autre. Philippe Martinez, quelle est votre je vous demande pas votre situation personnelle, je vous demande votre analyse sur le sujet. Non, mais je pensais que c'était une attaque personnelle parce que pas du tout. L'emploi des seniors, c'est pour le plus vieux dans la tribune. Bon, d'accord. Bon, allez, sérieusement,
Le gouvernement a constaté qu'il y avait de plus en plus de salariés, travailleurs, travailleuses au-delà de 57, 58 ans qui n'étaient plus au travail. Nous, ça fait longtemps qu'on le constate. Oui, c'est un problème parce que ce sont des chômeurs et des chômeuses en plus, et puis ce sont des cotisations en moins. Alors, c'est ce fameux index. Bah, il suffit là aussi d'avoir un peu les deux pieds dans la réalité. Hein. Moi, j'ai, sans évoquer mon cas personnel, je travaille dans une entreprise où il y a des accords tous les 3 ans pour faire partir les seniors. Et c'est pas 2 ou 3, c'est 2000, 3000 par an. Mais pour prendre une, donc j'ai fait un, moi j'ai demandé à ce qu'on fasse un état des lieux à la CGT sur bah analyser. Alors c'est les grandes entreprises, beaucoup. Donc ça s'appelle plan de départ volontaire. Je viens de découvrir que chez Legrand, une entreprise qui fait des produits, enfin des prises électriques, etc., etc., c'est des ruptures individuelles. Quand il y en a un peu trop dans l'année, l'inspecteur du travail dit qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Donc l'entreprise, la direction arrête d'en faire, puis un mois après, elle recommence. Donc le sujet, on le maîtrise, on sait ce qui se passe. La question qui est posée, c'est pourquoi on tolère que dans les très grandes entreprises, on vire des gens. Ça, c'est la première question, parce que ces accords, ils sont validés hein, par le gouvernement. Donc il ne faut pas qu'ils soient surpris. Et par certaines organisations syndicales aussi, j'imagine. Pardon ? Et par certaines organisations syndicales aussi, j'imagine. Je vais y venir. Vous ne pouvez pas faire les questions et les réponses, cher monsieur. Donc, ces accords, ils sont connus. Et la deuxième chose, c'est qui les finance ? Et avec quoi ils sont financés ? Parce que ces grandes entreprises, pendant la Covid, mais même avant, elles touchent des aides publiques. Elles ont des exonérations de cotisations sociales, plusieurs milliards. Donc qui les finance ces plans ? Parce que, évidemment, quand vous partez, on vous propose un peu de sous, et puis les entreprises vous renvoient vers la collectivité parce que vous êtes au chômage. Donc c'est pas bon pour les rentrées de cotisations pour les retraites, et c'est pas bon pour l'assurance chômage, parce que ça fait des chômeurs en plus. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a concomitance entre réforme de l'assurance chômage et réforme des retraites. Ça doit être un hasard. Ça doit être un hasard. Donc, j'en viens à la deuxième chose. Par contre, il faut s'interroger bah, pourquoi, malgré... Oui, il y a des organisations syndicales qui signent, y compris la CGT, dans certains endroits. Donc, la question qui est posée, et on en revient toujours au même sujet, c'est pourquoi les gens, la première chose qu'ils pensent à faire, c'est de se barrer du boulot à 57 ans. Ça, c'est un sujet. Et donc, on en revient à ce que tu disais, c'est le sens du travail, pourquoi je m'embête au travail, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'ils sont, là aussi, liés. Dès qu'on propose des pentes par volontaire, eh ben, il y a parfois même plus de volontaires que d'appelés. Et il y a des entreprises qui laissent partir du monde, puis qui se rendent compte que, sur certains métiers, ils ont tellement laissé partir de gens qu'il faut les rappeler parce qu'on ne sait plus faire le boulot. C'est cette question qu'il faut. Et donc, cette question du travail, elle est centrale. Pourquoi je vais au boulot ? Est-ce que ma qualification, elle est prise en compte, évidemment, sur mon salaire, mais dans la liberté que j'ai de bien faire mon boulot ? Parce que bien souvent, et vous le savez toutes et tous, il y a une note de service qui tombe, dont Césour, enfin, général de la direction, qui vous explique comment bosser. Et les collègues, ils regardent la note, ils disent « Mais qui c'est qui a écrit ça ? Il n'a jamais bossé, celui-là. » Ou « Il ne connaît pas mon boulot. » Parce que si je fais ça, je vais mal faire mon boulot. Ben, à force d'accumuler ça, les gens, la première chose à quoi ils pensent, c'est de se barrer. Et donc, il faut l'emploi des seniors, on ne pourra pas le régler sans parler de la question du travail. Et je finis, parce que c'est, me semble-t-il, essentiel d'essayer toujours d'illustrer les choses. Moi, je croise beaucoup de travailleurs, de travailleuses, comme vous, à juste titre, vous m'avez traité de senior. Je vais faire l'ancien combattant, il y a 20 ans, 30 ans, les parents étaient fiers que leurs enfants viennent travailler dans leur entreprise, ou leur service d'ailleurs. Aujourd'hui, tous les parents veulent que les enfants bossent. Mais j'entends de plus en plus de parents, ouais, il faut qu'ils trouvent
ou qu'elle trouve du boulot, mais alors surtout pas dans ma boîte. Ça c'est l'image de du mal-être au travail. Et d'ailleurs, les travailleurs, travailleuses considèrent que bien souvent, c'est dans leur boîte que c'est le pire. Mais quand on fait le tour des entreprises et des services, on se rend compte que le problématique est partout pareil. Quand les infirmières passent plus de temps sur un ordinateur qu'auprès de leurs patients, on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le métier du soin. Vous voyez ? J'ai fini. Merci. J'aimerais avoir le point de vue du représentant de l'encadrement. Est-ce que du côté de l'encadrement, il y a la même difficulté par rapport à l'emploi des seniors? Est-ce que vous partagez l'analyse de Philippe Martinez? Moi, je partage l'analyse à 100%. Ce qui a tué le travail, ce qui le tue, ce qui fait souffrir les gens au travail, c'est l'obsession de la réduction des coûts. C'est ça le mot-clé, en fait. On vit dans une société dans laquelle la stratégie de développement, de vision, de développement des entreprises a été complètement substituée par la réduction des coûts. Comprimer les coûts, toujours, toujours, pour pouvoir augmenter les profits. La vérité, c'est ça. N'importe qui a travaillé dans une entreprise, quelle que soit sa taille, et y compris aujourd'hui dans la fonction publique, à l'hôpital, sait que c'est le focus unique de tous les dirigeants. Il faut réduire les coûts. Alors, qu'est-ce qui se passe? La conséquence, c'est que, Philippe le rappelait tout à l'heure, aujourd'hui, moins d'une personne sur deux, au moment de faire valoir et de liquider sa retraite, moins d'une personne sur deux est en emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre personne, elle s'est fait virer, tout simplement. Et donc, on l'a dit, tu sais quoi, tu vas aller stationner à la case chômage, peut-être même à la case grande précarité, suivant l'âge à lequel on l'a dégagé, et puis un jour viendra, tu prendras ta retraite. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, parce que quand on analyse ce qu'est une personne dans son environnement de travail et ce en quoi elle contribue à la valeur de l'entreprise, eh bien, on a regardé que le coût qu'elle représentait, le coût salarial. On sait très bien ce que c'est qu'un PDV, un plan, ce qu'on appelait à une époque le fameux plan social. Eh bien, c'est un tableau Excel, tout simplement. On fait une liste de noms, on fait le salaire à côté, et puis on dit, si on dégage tout ce monde-là, on va économiser ça. Mais personne ne regarde la colonne valeur de la personne. Tout le monde s'en fout, en fait. Or, quelqu'un au travail, et quel que soit son âge, son expérience, il apporte une valeur extrêmement importante à l'entreprise. Mais ça n'est pris en compte nulle part. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui, dans notre pays en particulier, parce que moi, j'adore, vous savez, sur des questions aussi sensibles, aussi complexes, mais aussi importantes que l'emploi des seniors, on a en face de nous des experts dans les différents ministères, on a un peu l'impression qu'ils se sont formés en lisant Martine fait de l'économie, et oui, dans le monde du travail, hein, parce que, si vous voulez, je pense que, pour le coup, s'ils avaient été vraiment baignés dans les organisations de travail, s'ils avaient côtoyé les gens qui ont acquis cette expérience au cours de leur carrière, ils auraient compris cette aspiration que tout le monde a à partir d'un certain moment, eh bien avoir un métier plus basé sur l'expertise, sur le tutorat, sur l'encadrement des autres. Ça, c'est consubstantiel à chacun. On a envie de transmettre son métier dès l'instant qu'on a acquis une bonne expérience. Et moi, nous, on considère tous ensemble, et on a fait des propositions assez concrètes là-dessus, en disant, mais il faut travailler sur ce sujet. Ce sujet, c'est aussi la gestion des fins de carrière, peut-être la baisse du temps de travail, etc. Tout un tas de dispositifs qu'on pourrait négocier dans les entreprises, et y compris dans la fonction publique. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pour le gouvernement? Index. L'index senior. Mais franchement, on se fout de qui? C'est n'importe quoi. On a l'impression, vous savez, quand on voit la communication des membres du gouvernement et de leurs chargés de communication, on se dit, mais qui fait la com? On a un petit peu peur, visiblement. Ils font des soirées pizza-bière et puis ils se disent, c'est quoi le slogan de demain? Donc nous, on a posé le sujet emploi des seniors, on nous répond index. Mais franchement, c'est pas sérieux. Ce sujet-là est, de notre point de vue, peut-être pas le seul, mais en tout cas probablement le sujet le plus important de notre questionnement du moment, hein, de cette crise sur la réforme des retraites, et c'est celui auquel il faudra s'attaquer en priorité quand le gouvernement aura retiré son projet. Merci. Vient ensuite la dernière partie de cette première partie, enfin dernière partie de cette première séquence sur la question financière. En gros, le gouvernement nous a expliqué à un moment que le système est en faillite, qu'il fallait une réforme absolument. Qu'en est-il? Qui veut répondre? Vas-y. Allez-y. Le système est en faillite, mais je crois que c'est Philippe qui l'a dit. Enfin, faut être sérieux. 12 milliards, et allez, alors, on va prendre les chiffres du gouvernement.
12 milliards d'euros de déficit en 2027 sur 336 milliards d'euros de prestations, moins de 3% de déficit. Franchement, non mais très franchement, si la France avait 3% de déficit, ça se saurait. Et est-ce qu'elle est pour autant en faillite? Est-ce qu'on est en train de tout fermer? Non. Est-ce que si Bruno Le Maire avait 3% de déficit, il ne boirait pas du champagne tous les jours? Oui. Donc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà, là c'est encore de plus une fois un mensonge éhonté, sachant que les 12 milliards d'euros, c'est sur une courte période. Et qu'après, le système redevient à l'équilibre. Donc, c'est vraiment, là encore une fois de plus, prendre les Français pour des idiots. Il y a 12 milliards d'euros de déficit si on fait l'emploi des seniors. Si effectivement on se contente d'un index, voilà, vous avez un économiste qui n'est pas un ultra-gauchiste, ni un ultra-libéral, qui s'appelle Jean-Hervé Lorenzi, qui a dit que 10 points d'emploi de seniors en plus, c'est 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, on a de quoi faire avec 50 milliards d'euros. On augmente les pensions au-delà de 1200 euros, on fait de la pénibilité, de la prévention, on fait effectivement, on baisse même l'âge légal, on a le temps, on peut faire tout faire avec 50 milliards d'euros. Donc il y a d'autres solutions. Le gouvernement, le seul truc qu'il veut, c'est punir les Français, nous faire travailler 2 ans de plus pour rien. Et ça, une fois de plus, c'est 12 milliards d'euros, c'est la démonstration. Merci. Simon Dutheil, pour Solidaire. On est évidemment d'accord avec Dominique. Y a plein de choses là-dedans. Bon, déjà, les 12 milliards ou les objectifs, enfin, la façon dont ils voient le déficit qui arriverait est quand même très très contestée. Hein, voilà, la réalité des chiffres du futur. Enfin, ce que nous fait le gouvernement aujourd'hui, c'est un peu comme si on arrive chez vous, on dit, vous savez que dans 5 ans, il y aura peut-être une tempête qui va vous emmener 4 tuiles, on va refaire la toiture aujourd'hui, quoi. C'est ça qu'il fait avec les retraites. Non, mais, c'est un truc assez hallucinant, quoi. Donc, déjà, on peut se dire, non, on va pas tout refaire n'importe comment. Parce qu'on nous dit qu'on devrait le croire. Et puis après, effectivement, derrière, la question, c'est aussi le partage des richesses. On nous fait croire qu'il n'y aurait pas assez de richesses produites aujourd'hui, que nous, on devrait travailler 2 ans de plus. C'est ça qu'on nous dit. Bon, on ne va pas prouver, tout le monde voit bien aujourd'hui que des richesses, ça a été dit tout à l'heure, le CAC 40, ça dégouline. Hein. Mais alors, ça ruisselle, mais ça ruisselle vers le haut seulement. Hein. Donc c'est ça la réalité. L'autre réalité, on en revient aussi à la question du travail et de nos salaires, parce que les cotisations sociales qui doivent servir à financer, elles sont aussi alimentées par nos salaires. Et tout le monde ici demande des augmentations de salaires. Hein, on voit dans quelle situation on est globalement sur l'inflation et sur ce qu'on dit depuis des années. Et c'est là que ça se passe aussi le combat sur les retraites. Ça se passe sur l'augmentation des salaires. Et on parle, du 7 mars, mais on parle aussi du 8 mars, ça a été dit tout à l'heure, sur la question aussi des femmes. On sait aujourd'hui que s'il y avait un salaire égal, réellement égal, pour toutes les femmes, ça serait 6 milliards de plus dans les caisses. Rien que ça, juste l'égalité. Non, mais juste pour ajouter un mot rapide pour aller dans ce sens-là et pour avoir un argumentaire aussi à développer, je crois que c'est important d'avoir des idées claires telles qu'on les a énoncées là. Même dans le rapport du COR, il est dit que la mesure du déficit n'a aucun sens à court terme. Le rapport du COR dit l'indicateur qu'il faut regarder, c'est la part du PIB consacrée aux retraites. Et la part du PIB, effectivement, elle est plutôt stable, elle va même avoir plutôt tendance à diminuer. Et donc, la vraie question, c'est quelle part de richesse on consacre aux retraites. Et donc, c'est pour ça que la présentation des déficits est absolument fallacieuse et est un mensonge de la part du gouvernement et une manière de dire, effectivement, qu'il faut diminuer les droits. Et c'est donc quelque chose qu'il faut combattre, effectivement, de ce point de vue-là. Et non, j'ai perdu le deuxième truc, donc voilà, je m'arrête là. Très bien. Comme le temps file, je vous propose de passer à la deuxième partie de la table ronde sur la question de la mobilisation. Depuis le 19 janvier, date de la première journée de mobilisation, le mouvement ne s'essouffle pas, tant sur le terrain que dans l'opinion publique, qui reste très favorable à cette opposition. Il y a eu des millions de manifestants dans les rues, plus d'un millier de manifestations au total. De fait, le mouvement est un des plus importants depuis très très longtemps. Voilà, on a eu du mal à le dater. J'aimerais revenir dans un premier temps sur avant la présentation de la retraite, de la réforme des retraites, pardon. Il y a eu la mise en place d'une intersyndicale assez tôt,
après l'élection de la réélection d'Emmanuel Macron, qui s'est réuni dès l'été 2022, qui a commencé à travailler ensemble, qui a produit des communiqués ensemble, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur l'assurance chômage, puis sur les retraites. En quoi cette initiative très en amont était importante, en fait, et vous permet d'être aujourd'hui plus fort, éventuellement ? Frédéric Souillot. Ben, les uns et les autres, on sait aujourd'hui que l'unité la plus large possible, c'est ce qui nous permet de gagner. Alors on a des différences. Enfin, de moins en moins. Oui. Ben, oui, bien sûr qu'on les assume, nos différences. Mais quand on s'est rencontrés fin juin, début juillet, pour le premier communiqué de presse sur la loi pouvoir d'achat, il faisait une page, on avait 91 amendements les uns et les autres. Parce qu'il fallait qu'on réapprenne ou qu'on apprenne à se parler. Et puis, ben, la priorité, c'est comment, pour ceux que nous représentons, les travailleurs et les travailleuses, on arrivait à faire bouger les choses. C'était notre priorité. Et puis on a recommencé sur l'assurance chômage, la contracyclicité. Et puis après, sur la réforme des retraites, je crois qu'on en est à notre 6e ou 7e communiqué. Et le 10 janvier, quand Elisabeth Borne a expliqué son projet, enfin, ou tenté de l'expliquer, ben, nous avons aussi communiqué pour appeler à la mobilisation et à la manifestation. Aujourd'hui, dans l'intersyndicale, même si parfois les journalistes un petit peu insidieux disent « mais quand est-ce que ça va lâcher ou pas ?» Bon, il n'y a rien qui lâche et il n'y a pas un gravier entre nous. Avant la présentation de la réforme, il y a eu aussi une phase de concertation d'octobre à décembre. Il me semble que la CGT... Pardon, plus, excusez-moi. Donc avant la présentation de la réforme, il y a eu une phase de concertation qui a couru d'octobre à décembre, plus un petit bout, tout début janvier. La CGT était très en demande de cette concertation-là. Qu'est-ce qu'elle en retient, Marie-Lise ? Alors, je vais juste compléter ce que disait Frédéric là, à l'instant sur l'importance de l'intersyndicale. C'est effectivement l'importance... On a très vite senti le besoin de se parler et de se projeter un peu aussi dans les mois qui allaient suivre l'élection du président de la République. Parce que il nous le rappelle encore aujourd'hui, il avait quand même 65 ans dans son programme. Et on s'est dit, il nous dit qu'il veut changer de méthode, mais il est quand même plutôt têtu et plutôt convaincu qu'il a raison. Donc ça a été aussi important de se parler à ce moment-là. Et puis l'une des raisons pour lesquelles aussi on avait besoin de se dire aussi des choses ensemble, c'est que, alors là on est dans le bouillon retraite, mais quand le sujet a été mis sur la table au mois de septembre, moi j'ai fait beaucoup de visites de boîtes et d'administration. J'arrivais un peu comme une extraterrestre avec le sujet des retraites. Tout le monde était sur les questions de pouvoir d'achat. Mon problème, c'est comment je boucle ma fin de mois. Comment l'hiver va arriver, comment je vais faire face au prix de l'énergie, les conséquences de la guerre en Ukraine. Ma boîte, elle a une activité qui va être vraiment impactée par la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce que je vais devenir ? Voilà, c'était vraiment la préoccupation. Et on s'est dit là, on va avoir un décalage de phase, un gouvernement qui va foncer sur les retraites et un monde du travail qui va être complètement sur autre chose. Et c'est aussi, nous, la raison pour laquelle on a demandé une concertation. Parce qu'on s'est dit, un sujet aussi important, ça ne peut pas ne pas faire l'objet d'un débat public. Il faut que la question des retraites, elle soit posée, qu'il y ait des discussions. Et puis nous, voilà, notre vision du rapport de force, c'est aussi être au clair sur, voilà,
dire à notre interlocuteur ce qu'on pense de son analyse, confronter et proposer, et de dire à un moment s'il faut voilà, pouvoir argumenter et le faire dans le cadre des concertations. Alors le cadre, il s'est passé comme, voilà, on l'a, je pense, vécu tous à peu près de la même façon. On a eu confirmation qu'ils avaient bien une idée en tête, c'était parce que la seule chose qu'on n'a pas discutée, c'est la question de l'âge légal. Donc on est rentré nous en discussion en se disant, bon, on va mettre d'autres sujets sur la table et on va essayer de faire en sorte qu'on parle enfin du travail. Et puis au bout du bout, ce qui reste des concertations, c'est que je pense que c'est quand même grâce à ça qu'aujourd'hui on parle carrière longue, qu'on parle minimum contributif, qu'on parle de la pénibilité. Alors si on en parle, c'est aujourd'hui largement insuffisant, donc l'idée c'est de pouvoir et de pouvoir en discuter et de pouvoir nous aussi d'expliquer aux travailleurs pourquoi il faut se mobiliser, pourquoi c'est injuste, pourquoi c'est brutal. C'est aussi parce que tous ces éléments là ils sont dans le paysage et c'est important. C'est important parce que nous on a voulu jouer la carte de la concertation en disant tout le monde doit être sensibilisé au fait qu'il y a un sujet de travail. Et on ne peut pas parler de retraite sans parler de travail. Et que l'anomalie quand même complète, c'est qu'on est dans une réforme de retraite qui passe par un projet de loi de finances de la sécurité sociale. On est dans une réforme des finances publiques. On ne fait pas aujourd'hui de réforme du travail ni des retraites. Donc c'est voilà, une étape aussi importante parce que ça nous a aussi donné un peu de temps pour pouvoir s'organiser, se discuter. Et puis, que je pense que ça aurait été terrible, parce que l'objectif, c'était ça, passer un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale en catimini à l'automne pour une effectivité en 2023. C'était circulé, il n'y a rien à voir. Je pense que là, au moins, ça a eu le mérite de mettre le sujet sur la table et nous, de nous faire un effet levier pour pouvoir mieux mobiliser aujourd'hui. François Omeril, quel est votre ressenti sur cette période de concertation? Est-ce que vous avez eu le sentiment de peser? Non, mais la concertation, ça pourrait avoir du bon, hein, dès l'instant qu'elle est menée de façon honnête, et qu'il s'agit effectivement de poser un problème, parce qu'il y a des problèmes, il y en a, et puis de travailler avec les différents constituants, les différents partenaires, qui chacun sont porteurs de leur vérité sur la façon de comprendre ce problème, de l'aborder, et si possible de le résoudre. Travailler ensemble, ça ne peut jamais être mauvais. Le problème, c'est qu'il y a eu trois phases, on va dire, dans ces concertations. La première dans laquelle on nous dit, c'était un peu le discours du président au moment de sa campagne électorale, moi j'ai besoin d'argent pour financer mes politiques publiques, donc les gens vont travailler plus. On l'a beaucoup détaillé, hein. J'ai beaucoup donné d'argent aux entreprises, ils vont m'en demander encore un peu, donc bon, si possible, il faut que vous travailliez un peu plus. Et puis il s'est aperçu que ça passait pas, ça. On peut le comprendre. Donc ils en ont inventé un deuxième. Ils ont dit, on l'a évoqué aussi, le système est en péril. Bidon. Bien sûr, facile à démonter. Il y en a même qui sont passés dans l'outrance. Le même, d'ailleurs, qui nous dit aujourd'hui que la grève du 7 mars va appeler les sauterelles et puis provoquer la sécheresse, c'est lui qui disait le système est en faillite. Bon, il faut savoir quand même que dans les régimes complémentaires de retraite, toutes dispositions confondues, il y a 163 milliards de réserves. Je pense qu'il y a des situations patrimoniales un peu moins enviables que celle-ci. Au passage, c'est géré par nous. Hein, nous les représentants des travailleurs et donc c'est la preuve qu'on le fait plutôt mieux que la façon dont l'État gère ses politiques publiques. Et puis il y a eu la troisième version, je vais faire une réforme juste, on l'a aussi, on l'a beaucoup détaillé, et donc dans ces conditions là c'est quand même un peu compliqué d'aller avec le gouvernement et de sentir qu'on a une interaction vraiment honnête. La vérité, c'est ça. C'est qu'en fait, le projet, dès le début, il était ancré dans le marbre. Et finalement, ces concertations, elles avaient un côté très factice. C'était une façon d'essayer d'amadouer les syndicats, finalement, de les emmener dans la seringue, de façon à leur dire, à essayer de leur faire dire aussi, bon, ben, on va peut-être un peu négocier des contreparties, etc. Mais non, là, ça marche pas. Parce qu'on n'est pas dans le même espace, en fait. Parce que
quoi qu'il arrive et quoi que le gouvernement a tenté de faire croire à l'opinion qu'il avait concédé, ben, il y a quand même 13 milliards qui sont ponctionnés sur le travail et qui vont aller où ? Ben, qui vont aller en déduction de l'effort que normalement devraient faire les entreprises sur la valeur ajoutée que par leur travail, justement, les gens contribuent à faire dans l'entreprise. Intervient ensuite le 10 janvier, la présentation par la Première ministre en conférence de presse avec plusieurs membres du gouvernement de la réforme, et le soir même, une réunion intersyndicale avec les numéros 1, et pas uniquement les représentants traditionnels de l'intersyndicale. Philippe Martinez, quel était le sens de cette réunion à la Bourse du Travail à Paris, effectivement de représentation avec les leaders en fait? Je pense que, alors premièrement, tout le monde se rappelle que c'était prévu de cette réforme devait être annoncée au mois de décembre et que le gouvernement a décidé de reporter l'annonce hein, au mois de janvier. Il y avait besoin de solennité dans la déclaration intersyndicale. Si on dit que cette réforme elle est grave, injuste et qu'elle va briser des vies, il faut lui donner un caractère solennel. Et je crois que le message, en tout cas ça a été bien repris médiatiquement, le fait que les secrétaires généraux et les présidents se réunissent et déclarent, parce qu'il y a la réunion et la déclaration. Tout le monde a bien compris qu'il se passait quelque chose dans le pays. Et je pense que c'est important puisque vous évoquiez l'unité syndicale, que quand il se passe quelque chose de grave pour le monde du travail, pour les travailleurs, travailleuses, pour les jeunes, pour les retraités aussi, que les organisations syndicales, dont l'objectif est la défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses, puissent réagir ensemble, je pense que c'est un message fort. Et on l'a vu d'ailleurs dans les mobilisations, puisque certains nous disaient annoncer une mobilisation le 10 pour le 19, vous allez vous planter. Bon, on voit que c'était très fort le 19. Et puis quand on en arrive à ce qu'il y a en face de vous, mais comme François Omeril, qui sait lire aussi bien à l'endroit à l'envers, m'a traduit ce qu'il y avait, quand on en arrive là, je pense que c'est un signe fort de la prise en compte des organisations syndicales qui, j'insiste, parce que c'est, en tout cas c'est à la CGT, c'est notre conception, qui assume les différences, nos différences. On a nos différences. Parce que si on vous disait qu'on n'a pas de différences, vous ne nous croiriez pas et vous auriez raison. On a des différences et on les assume. Mais quand la situation est tellement grave, il faut savoir mettre de côté ces différences dans l'intérêt du monde du travail et se dire on ne peut pas continuer à être divisé. Je pense que en tout cas, je suis convaincu que c'est la meilleure réponse qu'on a pu faire. Et par la suite, il y a eu. C'est pas une question de numéro un. C'est plus une question de donner de la force et du poids. Et par exemple, on n'est pas venu à Saint-Étienne, désolé, ou dans la Loire. On a été à Albi. Quand vous avez dans la rue plus de monde que le nombre d'habitants dans la ville, ça montre la force du mouvement. Je propose une toute petite incise. D'abord pour vous annoncer que la salle qui est en face de l'autre côté de la rue est pleine. Donc au total, on annonce 1000 personnes au total présentes en présentiel, plus les personnes qui suivent en streaming. Et j'ai une petite série de questions qui me sont remontées. Attendez. Alors une première question, la question du rôle social des retraités dans le cadre de l'investissement dans l'associatif, l'aide aux parents, aux enfants, aux petits-enfants. Ce rôle est-il quantifié? Quel impact de la réforme sur ce social des retraités, sur ce rôle social des retraités? Je vais faire, comme je suis le plus jeune, je vais
Je m'en occupais. Non, mais c'est évident. C'est évident. De la même manière que qu'on parle du travail, des travailleuses et des travailleurs depuis tout à l'heure, de la même manière, ce gouvernement n'imagine pas ce qu'est le temps dans l'après-travail. L'importance que ça a de pouvoir avoir du temps réapproprié, libre, mais qui va servir bah, pour soi, pour ses proches, mais aussi pour la collectivité. Le nombre important, incroyable de retraités qui font vivre les associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient caritatives, le nombre de retraités qui font vivre aussi des groupes syndicaux qui sont en soutien, évidemment, quand on va du côté des unions départementales ou des unions locales, on sait très bien l'importance que ça a, et dans la transmission. Donc c'est évident, pour répondre, que la place sociale des retraités, elle doit être réaffirmée. Enfin, clairement, le travail, c'est pas le projet de toute la vie. On veut pas y mourir. On veut pouvoir en vivre correctement et dignement. On veut que ça puisse servir. On veut que ça puisse être utile. Et ça questionne. Alors là, on en a pas encore parlé, mais ça questionne aujourd'hui aussi sur ces évolutions, sur l'écologie, sur la façon dont on fait les choses, sur l'égalité, sur tout ça. Mais c'est aussi sur l'après-travail. Donc c'est évident que de repousser et vouloir nous la jouer sur l'espérance de vie. Ah oui, l'espérance de vie, elle augmente. Mais oui, mais c'est ça le progrès social. Le progrès social, c'est d'avoir plus de temps. Et par ailleurs, tous les progrès sociaux, ils se sont faits avec l'allongement de l'espérance de vie, puisque c'est le cas depuis 200 ans. Voilà. Moi, je voudrais rajouter un petit truc là-dessus, parce qu'il y a une imposture incroyable. Et ça, c'est pas que ce gouvernement. Le gouvernement, il est dans l'imposture parce qu'il nous dit que l'espérance de vie continue d'augmenter, ce qui est faux. L'espérance de vie n'augmente plus depuis 2014. Et c'est très facile à vérifier. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper « espérance de vie ». Ça sort un tableau et vous avez la preuve que l'espérance de vie n'augmente plus. Il faut quand même être assez culotté pour aujourd'hui dans les ministères être soi-disant des experts du sujet, des conseillers du ministre, et vous prétendre que l'espérance de vie augmente encore alors qu'il est facile à n'importe qui de vérifier que ça n'est pas vrai. Mais il y a autre chose. C'est que quand bien même on mobilise l'argument, qu'ont fait tous les gouvernements sur le sujet? Ils vous disent, ben, on va travailler plus parce qu'on vit plus longtemps. Et donc, ils nous échangent 2 ans à la retraite avant la fin de la vie, avec 2 ans à la retraite au moment où on a tout le dynamisme et tous les projets. Or, ce ne sont pas les 2 mêmes années. Et là, pour le coup, la question, elle est parfaite pour illustrer ça. C'est qu'au début de la retraite, on est une ressource pour son environnement, pour sa famille, pour ses voisins, pour ses collègues, pour les associations. Mais à la fin de sa vie, on est moins une ressource et on commence à être une charge. Et donc le gouvernement nous échange 2 années de vie, 2 années où on est une charge, qu'il remplace par 2 années où on est une ressource disponible et où en fait il va falloir rester au travail. Et là, vraiment, c'est une imposture. Une autre petite question, après on aura, enfin, il faudra reprendre le fil parce que le temps nous est compté, on doit terminer à heure fixe. Une question un peu générale, pouvez-vous préciser le but réel de cette réforme? Est-ce la capitalisation, le transfert salaire-capital, la précarisation pour faire accepter n'importe quel boulot? Est-ce que quelqu'un a une... Le but réel de la... Oui, enfin il me semble qu'on a déjà abordé ce sujet. C'est le partage de la richesse et des créations de richesse dans ce pays. Est-ce que le monde du travail qui va bénéficier pour une grande part des richesses qu'il crée, ou est-ce que c'est le capital qui va récupérer? On voit bien que depuis que le capitalisme existe, la balance penche de plus en plus du côté du capital. Mais ça s'est accéléré. Et cette réforme, elle est symbolique parce que, et on l'a dit, parce que qui paye? Qui sont les seuls qui vont payer? Les travailleurs et les travailleuses. Et pas le capital. Et donc, c'est le cœur. C'est pour ça que c'est d'abord une réforme idéologique.
C'est d'abord une réforme idéologique. Benoît Thèse, tu voulais dire un mot ? Juste un mot en lien avec la question précédente, d'ailleurs. Le but de la réforme, c'est aussi de discréditer cette idée qu'une fois à la retraite, on peut en profiter, on peut vivre dignement, correctement, etc. Parce que la retraite, et donc en lien avec la question précédente, c'est finalement assez insupportable dans une vision libérale totalement des choses et de la société. La retraite, c'est quand même un moment où aussi on n'est plus en subordination par rapport à un employeur et où on peut du coup avoir une certaine liberté par rapport à son activité. Et donc c'est pour ça qu'il faut le défendre aussi fortement. Et c'est pour ça que c'est très lié au combat des retraités aussi. Le combat des retraités pour la revalorisation de leur pension, pour leur dignité, il est aussi au cœur de ce sujet. La place des retraités est au cœur aussi de ce combat. Très bien. On va revenir sur la mobilisation. Donc, il y a eu une série de. Il y a eu cinq grosses mobilisations. Dominique Corona, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé de votre étonnement face à ce mouvement protéiforme. Qu'est-ce que je voulais dire en termes de protéiforme ? Voilà. Oui, ce mouvement, il est d'abord exemplaire parce que nous sommes responsables. Parce que nous sommes déterminés. Et il est protéiforme, pourquoi ? Parce qu'il prend plusieurs formes. Il y a des mobilisations fortes dans les entreprises, du privé comme du public. Il y a des mouvements de grève, du privé comme dans le public. Il y a des signes, des pétitions, des débats. Il est protéiforme parce qu'aussi, il est transcourant partisan. Parce que vous avez des gens qui ont voté Macron, qui sont dans la rue, comme beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour lui. Puis vous avez aussi... Il est trans, je dirais, catégorie socioprofessionnelle. Cadre, non-cadre, ouvrier, employé, retraité, chômeur, actif, inactif. Et puis, vous avez aussi des employeurs. Vous avez beaucoup d'employeurs qui, finalement, ne sont pas d'accord avec leur organisation syndicale. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'effectivement, à 64 ans, bien, quand on est cassé par le travail parce qu'il n'y a pas eu de prévention, eh bien, il va y avoir des difficultés pour eux sur la productivité. Et moi, je connais des employeurs qui m'ont dit... Je vais être peut-être obligé de licencier des gens et j'en ai pas envie. Mais je n'aurai peut-être pas le choix parce que les personnes seront tellement brisées dans le travail. Quand je suis par exemple dans l'exportation de fruits et légumes dans le sud ou que je fais effectivement la torréfaction de café dans le sud-est de la France et que je me retrouve avec des gens qui sont sur des machines, j'ai deux problèmes. Un, je ne pourrai pas les reclasser. Deux, je vais avoir donc une baisse de productivité et moi je ne peux pas me le permettre en tant qu'employeur. Et donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais soit m'en séparer, soit les mettre en invalidité. Et donc, c'est la collectivité qui va payer. Et ces patrons-là nous le disent. Ils sont contre aussi cette réforme. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que l'ensemble de la population est contre. C'est parce qu'elle touche tout le monde, et de façon identique, et elle pénalise finalement tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je vous le dis, nous allons gagner, parce qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. Les employeurs sont aussi là avec nous pour ça. Marie-Lise Léon, sur le caractère apaisé des manifestations, on a clairement, enfin, ça fait des années, presque des décennies que je suis des manifestations, ça faisait quelques années que je n'avais pas pu participer à une manifestation aussi sereine, en fait. On sent que ça a été un mot d'ordre de la part de l'intersyndicale. Enfin, je vois Philippe qui n'est pas d'accord sur le côté... En fait, je pense que on a la bonne recette. On a la bonne recette d'une intersyndicale unie qui ne se cache pas derrière son petit doigt en pensant qu'on pense tous la même chose et qu'on est d'accord sur tout. Ce n'est pas du tout le cas et on n'a pas fusionné nos organisations, je vous rassure. Ou pas, je ne sais pas, ça dépend peut-être de ce que vous pensez. On est extrêmement clair là-dessus et on a un mot d'ordre, c'est non à la réforme, non 64 ans à l'accélération de la durée l'augmentation de la durée de cotisation. Bref, on est très clair là-dessus et on a des principes communs. Et après, une fois qu'on s'est dit ça, on décide ensemble. Et ça, c'est hyper important que personne ne parle à la place des autres, et que quand on se dit un mot d'ordre intersyndical, au niveau national interpro, on est extrêmement clair sur ce qu'on est capable les uns et les autres d'assumer dans nos organisations.
Et je pense que, voilà, ça, c'est la bonne recette. Et dans les principes qu'on s'est donnés, on fait le constat qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement inédit qui a de son côté l'opinion publique, et que ça, c'est hyper important de le garder, et que, alors, on est aussi aidé par le gouvernement qui, plus il explique, plus il perd tout le monde, donc nous, à la limite, ça nous arrange aussi, parce que plus ils expliquent qu'il faut faire de la pédagogie, parce que je ne suis pas prof, j'ai rien contre les profs, mais je pense que nous ne sommes pas citoyens, nous n'avons pas besoin d'instituteurs, nous savons très bien, nous comprenons très très bien quelle est cette réforme et pourquoi ça ne nous convient pas. Et puis, dans les principes, outre le fait qu'on se dise qu'il faut gagner enfin, et continuer de faire progresser l'opinion publique en notre faveur, on sait qu'à un moment, le gouvernement il fera tout pour retourner l'opinion publique et nous faire passer pour les casse-pieds, les râleurs qui veulent bloquer la France. Nous, on a dit, aujourd'hui, on veut bloquer la réforme. On a été de façon graduelle. C'est là que c'est intéressant d'avoir aussi décidé ensemble. On a fixé les dates ensemble. On s'est dit, on fait en semaine, on fait le week-end, on permet au samedi de pouvoir, le samedi à certains et certaines de pouvoir venir. On sait que ça pèse sur le pouvoir d'achat, donc c'est aussi une façon pour certains de venir. Et puis, outre le fait qu'on est conscient que c'est hyper précieux d'avoir l'opinion publique de notre côté, c'est qu'on veut aussi, on est tous au clair sur des manifestations dans le respect des biens et des personnes. Et que, voilà, et que là où moi je suis, alors je suis aussi les mouvements depuis quelques années, les mouvements sociaux, je suis assez étonnée qu'on se souvienne que les organisations syndicales, elles ont quand même un savoir-faire sur la question. Enfin, organiser des manifs dans un cadre sécurisé, ça fait aussi partie de nos modes d'action et de notre responsabilité. Donc quand j'entends le gouvernement, les ministres et notamment la première ministre qui nous appelle à la responsabilité, il faut lui dire n'inversons pas les choses, la responsabilité elle est de notre côté, charge maintenant au gouvernement de répondre à cette immense mobilisation qui n'a pas existé depuis 30 ans. Le monde du travail envoie un message et c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de nous répondre en retirant la réforme. Dans cette séquence, vous avez utilisé aussi d'autres modes de mobilisation. Il y a des retraites au flambeau, il y a aussi eu la pétition. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de la population qui est contre cette réforme, une immense majorité des salariés, et puis la pétition plafonne à 1 million, ce qui est beaucoup. Hein. Mais ce qui est pas mal. Mais par rapport à l'ensemble de la population et l'opposition qui est affichée, ça ne semble pas énorme. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Martinez ? Non, mais... Je râlais parce que des pétitions signées par plus d'un million de personnes, bon, je sais que vous êtes ambitieux pour le syndicalisme et le monde du travail. Enfin, il y en a. Je pense que, mais vous pouvez, enfin, je pense qu'on a le même constat. On a proposé diverses formes pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette réforme. Il y a eu la pétition, et j'insiste. Plus d'un million, ça doit être 1 060 000 aujourd'hui. C'est beaucoup. D'autres, mais on le voit au quotidien, d'autres considèrent qu'une pétition, c'est pas suffisant. Et donc, ils sont venus dans la rue. D'autres ont fait grève. Il y en a qui sont venus le mardi, d'autres le samedi. Parce que l'originalité de ce mouvement, c'est... On a l'habitude de compter les participants à chaque journée. Et on n'arrive pas encore, mais il faudra qu'on essaye, à voir le nombre de citoyens et de citoyennes de ce pays qui ont participé au moins à une journée. Ça doit être plusieurs millions, beaucoup plus que la pétition, cher monsieur. Vous voyez ? Et donc, et c'est ça l'originalité. Et on a des témoignages, vous en avez certainement aussi, de personnes qui nous disent « Bon, je ne peux pas venir mardi parce que oui, il y a les problèmes de pouvoir d'achat ». Mais presque en s'excusant de ne pas pouvoir venir en semaine. Et puis, ils nous disent, mais samedi, je serai là. Dans le train, en venant, un agent
pas de la SNCF, prestataire de la SNCF, m'a fait un clin d'œil. Il m'a dit, mardi, je serai là parce que c'est mon jour de congé. Vous voyez ? Vous voyez ? Et c'est ça, aussi l'originalité de ce mouvement, c'est que tout le monde veut y participer. Donc je pense qu'il y a des millions de personnes qui y ont déjà participé. Mais chacun a sa façon. Et on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'emploi, des problèmes de précarité, ça n'a jamais existé, mais qui suffirait d'un appel même de toutes les organisations syndicales pour que tout le monde descende dans la rue. Moi, je pense que ce mouvement, il est original parce que le monde du travail a changé, mais que très, très majoritairement, il n'y a pas que les sondages qui le disent, les citoyens et citoyennes, les jeunes, les retraités, les actifs, les chômeurs, ils veulent en faire partie de ce mouvement. Une question un peu générale qui vient de la salle d'à côté, de l'autre côté de la rue, qui permet d'ouvrir la dernière séquence sur le durcissement du mouvement. Le 7 mars, il est prévu de mettre le pays à l'arrêt. Quelle sera la suite des mobilisations si le gouvernement ne lâche pas ? La grève sera-t-elle reconduite et sous quelle forme ? Bon, là, il y a à peu près toutes les thématiques possibles sur cette séquence-là. Première question, un peu générale, pourquoi cette mise à l'arrêt ? Quel est l'objectif ? Fred Souillot, pour commencer. L'objectif, c'est de passer à la vitesse supérieure. On a expliqué la stratégie que nous avons mis en place depuis le 10 janvier. Le président de la République, il nous parlait depuis l'étranger. L'exécutif ne nous regardait pas. On ne vous a pas vu, on ne vous a pas vu. Eh bien, on passe à la vitesse. On passe la seconde. Mettre la France à l'arrêt. Il vous a pas échappé que dans les anciens communiqués, jusqu'au 11 février... On disait manifestation, mobilisation, y compris par la grève. Là, on ne l'a pas écrit comme ça. On a dit on met la France à l'arrêt, mais c'est en mettant aussi l'économie à l'arrêt. Alors, comme l'a expliqué Philippe, il y a aussi des salariés qui viendront pendant leur repos. Mais pour une partie et une grande partie des salariés et des travailleurs, ce sera par la grève. Le 7 mars. Et contrairement au mouvement qu'on a pu vivre ces 30 dernières années, il n'y a pas de grève par procuration. Depuis le 19 janvier, il y a tout un tas de camarades du salarié et du privé qui se mettent en grève. On n'attend pas la grève de nos camarades cheminots ou de la RATP, même si elle ne vient pas jusqu'ici, la RATP. Mais apparemment, il va y avoir un projet de loi pour les transports collectifs urbains. Donc peut-être que la RATP va venir jusque chez vous. Mais le 7 mars, la France à l'arrêt, c'est par la grève, et tout un tas d'entreprises, TPE, PME, qui manifestent avec nous, nous ont dit que ce jour-là, ils n'iraient pas sur les chantiers et d'autres baisseront le rideau. Philippe Martinez, vous m'avez expliqué l'autre fois que vous en aviez un peu marre que les journalistes vous posent la question de la grève générale. Donc, comme je ne suis pas une taquinerie près... quel est le sujet de la grève générale ? Est-ce que la CGT appelle la grève générale et pourquoi elle ne le fait pas ? Plutôt. Mais les journalistes sont têtus et obstinés. Hein. Premièrement, c'est pas des éléments de langage de dire qu'on veut la généralisation des grèves et non pas la grève générale. Parce que la généralisation des grèves, ça me semble assez clair, c'est que tout le monde agisse partout. C'est pas un,
C'est pas un tract, même avec la plus belle écriture, qui appelle à la grève générale, qui fera que les gens se mettront en grève. Donc il faut généralisation des grèves. Je précise, là encore, je fais mon historien, mais ça, d'ailleurs, je dois vous envoyer un document. Il y a eu un appel à la grève générale en 1913. Ah, c'était que la CGT à l'époque. Et ça n'a pas marché. Et donc, nos anciens sont posés la question, pourquoi ça n'a pas marché. Donc oui, et ça, nous, on pense qu'il faut une généralisation de la grève. La deuxième chose, ça fait partie d'ailleurs des points de vue divergents que nous assumons. La CGT, elle a dit depuis le 10 janvier, peut-être le 11 d'ailleurs, mais on le disait déjà avant, qu'il faut que le rapport de force soit suffisamment important pour que le gouvernement en cède, parce que le président de la République en fait une affaire personnelle. Et quand on passe de l'intérêt général à l'intérêt personnel, il faut mettre le poids pour faire changer d'avis le président de la République. Et donc, en tout cas, moins avec la CFDT, mais avec d'autres, nous, on a parlé de reconductible rapidement. Vous avez dit autre chose. C'est bien qu'on puisse chacun et chacune dire, voilà comment on voit les choses. Donc, nous, notre position, elle n'a pas changé. La France à l'arrêt, la traduction, c'est que quand c'est à l'arrêt, c'est que ça ne marche pas. Et donc, il faut qu'il y ait le maximum de monde qui ne travaille pas le 7 mars. Mais il faut... Je n'ai pas fini de parler. Il faut aussi que... Et c'est le sens de la France à l'arrêt, c'est aussi qu'il y ait... Par exemple, des commerçants qui soutiennent, tu as évoqué des artisans, des petits patrons qui disent on peut pas faire bosser nos salariés jusqu'à 64 ans, c'est tout ça. Nous, on pense, et il y a déjà, après, dans des professions, enfin, il y en a au moins une, enfin, de façon unitaire, pour les syndicats représentatifs, qui a dit on continue. Nous, on pense qu'il faut continuer après le 7. Le 8, parce que le 8, même si tous les ans il y a un 8 mars, et que c'est important, la journée internationale des droits des femmes, cette année, elle est encore plus importante, si je puis dire, parce qu'il y a les questions d'égalité salariale, et puis il y a cette réforme qui pénalise, mais on en a déjà parlé essentiellement les femmes, et puis, la position de la CGT, elle est claire, 7, 8, 9, et on pense que, évidemment, par contre, il faut discuter dans les entreprises et les services, parce que 24 heures reconductibles, c'est difficile pour tout le monde. Là non plus, il n'y a pas de privilégiés. Mais quand il n'y a pas de syndicat, quand les salaires sont bas, 24 heures, quand on n'arrive pas à finir le mois avec la paye entière, une journée, c'est dur. Deux jours, c'est encore plus dur. Et le caddie ne se remplit pas. Donc il faut trouver, en tout cas ça c'est l'avis de la CGT, des formes de lutte. Parfois, vous savez, une heure, deux heures de grève, un rassemblement tous les jours dans des entreprises, ça perturbe la production. Et puis, moi, j'ai déjà lu des notes de direction d'entreprise qui ont dit, suite aux différentes journées, mais les retraites, c'est pas nous. Hein. Par contre, quand vous faites grève, il n'y a plus d'argent qui rentre. Là aussi, hein, plus il y aura de grève dans les entreprises privées, mais dans les services publics aussi, petit à petit, même les patrons qui sont à fond pour cette réforme, quand ils verront que le porte-monnaie et l'argent ne rentre plus, ils diront au gouvernement, vous êtes sympa avec la réforme, on ne peut plus continuer comme ça. Ça aussi, parce qu'on oublie souvent le patronat dans nos prises de parole, et je pense qu'il faut aussi cibler le patronat dans sa diversité. Donc, je pense avoir répondu à votre question, cher monsieur. La position de la CGT, elle est claire, et ça fait un petit moment qu'elle est claire sur le sujet. Très bien. Une position claire aussi, à peu près dans la même dynamique, c'est la position de Solidaires, qui elle aussi appelle à la reconductible. Vous avez décidé ça en comité national mi-février. Oui, tout à fait. Et je vais, comme Philippe a dit quasiment tout... Non mais c'est très très bien, ça montre ce que c'est.
c'est quoi l'intersyndicale et comment on est aujourd'hui. Et la réalité, on est des organisations syndicales différentes, on assume nos différences, y compris on assume notre histoire. Alors on a une histoire commune qui remonte pour tout le monde, mais aujourd'hui on est des cousins-cousines côte à côte avec des pratiques qui n'ont pas toujours été les mêmes, et l'analyse du rapport de force et la façon de le construire qui n'est pas tout à fait la même. Bah, on en discute, on le dit. Nous, c'est vrai, on va se cacher qu'à Solidaire, avec nos syndicats, Sud notamment, on a une pratique du rapport à la lutte qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. Mais en tout cas, on pense qu'effectivement, il faut aller très vite sur des rapports de force assez forts. Pour faire céder, il faut taper là où ça fait mal. Voilà. Il n'empêche, on construit, on co-construit. Alors nous, on a eu des discussions en se disant, voilà, là où on en est, là où on en est dans la mobilisation, après aussi avoir poussé sur des manifestations très très larges, des manifestations à plusieurs millions de personnes, des journées, des semaines, quand on prend le 7 et le 11, sur cette semaine incroyable, avec des grèves, des mobilisations, sous toutes les formes, ça a déjà été dit, je ne reviens pas, l'intégralité des formes de possibilités de participation, elles existent aujourd'hui, et elles sont réelles. Mais on voit que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on monte encore d'un cran. Alors nous, on a parlé déjà à l'intersyndicale, nous, on en discutait, parce que c'est ce qu'on se dit depuis le départ. Il faut qu'on soit franc et franche entre nous, sur nos différences et sur comment on avance. On respecte la diversité des tactiques, voilà, qu'on en parle. Et puis, derrière, nous, oui, on a pris une position, mais, je veux dire, on est comme tout le monde, il n'y a aucun bouton magique. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est de la mise en débat. C'est de la mise en débat dans tous les secteurs sur cette question de comment on va plus loin, comment on va plus fort, et la grève reconductible est un outil pour aller plus loin et aller plus fort. Bon, on n'est pas les seuls à avoir posé ce débat, parce que les appels qui sont sortis, tout le monde ici autour de ce meeting table ronde, dans des secteurs, parce que c'est là que ça se joue dans les secteurs. Ici, tout le monde signe aujourd'hui des appels à de la reconductible dans différents secteurs, ensemble, en fonction des périmètres qui existent dans les secteurs. Et voilà, c'est ce qui va arriver. Mais ce qui est important au moment où on en est, c'est comme ça que nous on analyse, on va en reparler encore en intersyndicale la semaine prochaine, on se verra mardi. Comment on fait, là où on en est aujourd'hui, dans le rapport de force général, pour faire plier, pour aller plus loin? Parce que oui, c'est le gouvernement, mais c'est pas que le gouvernement, hein. On voit bien que le MEDEF, il aime bien cette réforme, il l'a dit, il l'a répété. On voit bien qu'il y a des intérêts clairs exprimés sur la finance, si on prend de façon générale, hein, c'est intéressant. C'est, voilà. Donc comment on fait mal aujourd'hui, et comment on fait peut-être peur aussi à certains et certaines qui disent que là, il y a beaucoup trop à perdre avec une mobilisation qui continue qu'avec le retrait de cette réforme. On veut le retrait sur les 64 ans, et bien maintenant il faut qu'on y aille et qu'on se donne les moyens tous ensemble de gagner et d'avoir le rapport de force à la hauteur. Merci. Marie-Lise, Léon, quelle est la position de la CFDT sur cette problématique-là de la mobilisation? Comment ça s'aborde succinctement, et ensuite on passera à la conclusion, parce que l'heure tourne. Succinctement, ça veut dire qu'il faut vraiment faire très très court. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il n'y a pas de recette magique en matière de construction de rapport de force. Je pense qu'aucune organisation n'est là pour donner de leçons à une autre. Il y a la question de comment on mène le combat et la question de quel résultat on veut obtenir. Et vu l'ampleur du mouvement aujourd'hui, de la mobilisation, du monde du travail, on a une immense responsabilité d'obtenir des résultats. Sinon, on va vers une déception énorme. Donc, on a fait preuve aujourd'hui, je pense, de grandes responsabilités. Alors, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. C'est que, vu, Philippe parlait de solennité, d'importance, je pense qu'on a une responsabilité particulière de trouver le meilleur chemin pour pouvoir arriver à notre objectif. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse. On a décidé ensemble d'actions graduelles. Le 7 mars, la France à l'arrêt, ça veut dire je travaille, je pose le crayon, je pose ce avec quoi je travaille, et je dis je suis contre cette réforme des retraites. Et l'important, c'est que ça se fasse, et c'est là qu'il faut qu'on aille plus loin. C'est qu'il faut que ça soit visible dans la rue, mais que ce soit aussi visible sur les lieux de travail. Et ça,
aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le message qu'il faut envoyer. C'est des commerçants qui baissent leur rideau. Ce sont des villes qui disent, voilà, opération ville morte, on arrête toute activité de telle heure à telle heure. Et puis on va chercher les collègues sur les lieux de travail. Et on essaye de les convaincre, de dire, mais non, le 7 mars, c'est le jour où il faut arrêter. Il faut arrêter et il faut envoyer un message au gouvernement et aussi aux employeurs qui, pour l'instant, ils sont sous les radars. Hein. Ils sont bien contents parce que la réforme, elle leur va plutôt bien et ils trouvent que les perturbations ne sont pas si énormes que ça. Donc, on a un vrai sujet de dire aujourd'hui, il faut, et la question de ce qu'on fait après, elle se posera le 7 au soir. Parce que moi, je suis assez optimiste, parce qu'on a des remontées extrêmement intéressantes, mais je ne sais pas ce que ça donne, le 7 mars. Et donc, je pense qu'il faut aussi être réaliste et de se dire, on prendra la décision en fonction de ce qui se passera le 7 mars. Il y a des choses qui sont aussi organisées le 8 mars, sous d'autres formes. Le 9 mars, les jeunes nous appellent à aussi de la solidarité au regard de la réforme des bourses, qui les concerne directement. Et c'est aussi ça qui est important, de pouvoir faire en sorte qu'on soit dans une semaine où on parle de tous ces sujets sociaux et de se dire rapidement, dès le soir du 7, on se dira c'est quoi le prochain rendez-vous. Il ne faut pas non plus précipiter les choses, si je puis dire, parce que, ouais, je vais couper quand j'aurai fini de dire tout ce que je veux. C'est... Non, mais il faut aussi... on est en train d'exploser les temps. La question, c'est que si on est déjà dans le coup d'après, on ne laisse pas le temps au gouvernement de lui retourner la responsabilité. Nous, on veut une réponse de sa part. Et pas juste, c'est bien, vous organisez des manifestations qui se passent dans le calme. Ça, c'est des commentaires qui n'ont aucun intérêt. La question, c'est vous faites quoi au regard de cette expression du monde du travail? Vous dites, vous faites quoi sur cette réforme? Et donc ça, c'est... Et plus on sera nombreux à le dire le 7, plus la pression sera forte et elle est bien du côté du gouvernement que... la réponse, elle est là. Avant de se dire c'est quoi la prochaine date, c'est quoi la réponse du gouvernement à la journée du 7 mars? Je pense que déjà... Donc il faut mobiliser. Très bien. Ben maintenant, on arrive à la fin de cette table ronde. Je vais vous demander à chacun de succinctement, Marie-Lise, cette fois-ci, un mot de conclusion. On va commencer par Benoît Test, peut-être. Oui, ben merci. Alors, un mot très rapide pour redire à la suite de tout ce qui a été dit. Quelle fierté quand même d'avoir organisé, d'avoir amené toute la population. Les petites villes, les grandes villes, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup commenté, il n'y a pas dans ce mouvement un secteur moteur qui entraînerait tous les autres, c'est très large, c'est l'ensemble de la population. Et ça, à l'issue d'une période où on avait dénié aux syndicats la capacité à gérer l'intérêt général, on était censé s'exprimer sur quelques intérêts catégoriels de gens qui étaient privilégiés, on nous avait beaucoup opposé, notamment au moment des gilets jaunes, hein, à cette idée que nous ne défendions plus qu'une petite partie du monde du travail. Et aujourd'hui, c'est très large, c'est massif, c'est calme et déterminé, mais c'est très déterminé. Et il faut aujourd'hui, je pense, le point principal à avoir en tête, c'est la confiance. Confiance dans la capacité à gagner. Parce qu'en vérité, nous avons la capacité à gagner aujourd'hui. À partir du 7 mars, le paysage va se redessiner. Le 7 mars va nous redonner des forces, en tout cas je l'espère, et il faut le souhaiter ardemment, donc il faut aller chercher effectivement ses cousins, ses petits frères, les voisins, etc. Il faut mettre tout le monde en grève, tout le monde dans les manifestations, et effectivement à partir du 7 mars on s'arrête, et quand on s'arrête et on réfléchit aux suites, et on va continuer effectivement après le 7 mars. Et on s'arrête. Simon Dutheil. Non, mais guère mieux que ce que dit Benoît. C'est sûr, là, on a une énergie qui existe, qui est incroyable. C'est toujours bizarre de dire que c'est une mobilisation historique, mais réellement, je sais pas, on a tous et toutes vécu des mobilisations et des moments, on voit bien qu'on est dans un moment clé. On doit gagner, Marie-Lise le disait, mais on doit gagner parce que derrière, il y a d'autres choses qui sont en embuscade.
Oui, nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut gagner, il faut des victoires sur ces questions sociales, parce que sinon, c'est aussi l'extrême droite qui va se ramasser, enfin, qui va ramasser et qui va arriver derrière. Et nous, on le dit clairement, non, non, ça va pas avec ce qu'on veut, ça va pas avec le projet de société qu'on développe, ça va pas avec les idées sur lesquelles on avance. Il faut gagner. Il faut gagner aussi parce que on l'a pas abordé, parce qu'il y a des milliards de choses qu'on pourrait aborder, mais la question écologique, elle est centrale. Ils disent qu'on fait pas pleuvoir, mais la réalité, c'est qu'en allongeant le temps de travail, en voulant renvoyer sur les fonds de pension, sur les gens qui sont dans la spéculation, sur les énergies fossiles, etc., ils accélèrent le réchauffement climatique. Cette réforme des retraites, elle est anti-écologique. Il faut le dire. Il faut le dire aussi pour convaincre les plus jeunes, peut-être, de participer. Voilà. Et enfin, évidemment, on se retrouvera dans la rue et tout, mais ce qu'il faut dire aussi, et ce qui est une bonne nouvelle à mon avis sur la période, c'est le renforcement du syndicalisme. S'il y en a qui ne sont pas syndiqués, vous voyez, il y a le choix. On est tous et toutes là, présents et présentes. N'hésitez pas, c'est ensemble qu'on gagnera. Merci. Sylvie, pour la CFTC. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est responsable. Contrairement à certains qui voudraient faire croire qu'on n'est pas responsable, et que cette retraite, elle n'est pas juste, elle n'a pas de raison aujourd'hui d'exister dans ce timing, etc. Donc, continuons à être responsables, et puis effectivement, peut-être qu'on sera enfin entendu et bien entendu, et qu'on verra donc à la fin de cette semaine ce qu'il en est. Merci. Dominique, pour l'UNSA. Bien. Alors, je vais être très très bref. Donc, merci vraiment aux organisateurs Saint-Étienne d'avoir fait ce meeting. Je pense que c'est primordial que nous puissions. Voilà. Arika Marie, excusez-moi. De l'agglomération, voilà. Je peux comprendre effectivement qu'on n'avait pas pu le faire à Saint-Étienne, oui, effectivement. Voilà. Donc, merci parce que, c'est extrêmement important de débattre de ces sujets. Deux, on compte aussi sur vous. Pour que le 7, il y ait de plus en plus de monde dans la rue, pour que la France s'arrête, pour qu'on fasse reculer le gouvernement. Et moi, je vais vous dire pourquoi on va gagner. On va gagner pourquoi ? Parce que, un, nous sommes unis. Deux, parce que nous sommes responsables. Trois, parce que nous avons démontré que cette réforme, elle n'était pas du tout juste. Et parce que nous sommes sereins contrairement au gouvernement. Donc oui, nous allons gagner. Et oui, rendez-vous le 7. Et vous verrez que le gouvernement, le soir, il dira, reculera. François, pour la CFE-CGC. Bon, moi, je suis un peu un senior comme Philippe. Je vais vous dire, ça fait 35 ans, qu'on tente de nous faire croire que le bonheur de tous, ce serait la somme des petits malheurs de chacun. Que pour progresser, il faudrait que chacun en bave un peu plus. Mais ça, c'est insupportable. Et ce que ce mouvement a d'unique et de remarquable, c'est qu'en fait, il va au-delà de la question des retraites. Il vient dire, la foule immense qu'il rassemble, vient dire à ce gouvernement, mais à tous ceux qui l'ont précédé, ça suffit. Ça suffit. C'est une autre société que nous voulons. Et au passage, il y a 5 organisations de jeunesse qui sont avec nous. Alors, il y a des grossiers personnages qui siègent à l'Assemblée, qui ont fait les malins, en disant « Ah ah ah, mais que font ces petits jeunes dans les mouvements ? Ils feraient mieux de faire leurs études. » Mais non, c'est l'endroit où, effectivement, ils doivent être. Parce que, justement, ils sont en train de s'investir pour un avenir meilleur pour tout le monde. Et avec nous, ils viennent dire à ce gouvernement, ce que nous voulons, c'est que le progrès, ce soit la somme du bonheur de chacun dans son investissement dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut que le mouvement du 7 mars soit massif et qu'au final, le gouvernement retire ce projet inacceptable. Frédéric Souillot, vous répondez. L'unité, elle est là. La mobilisation, elle est massive et déterminée. Pas de grève par procuration. Nous l'avons construit. Donc, le 7, on met la France à l'arrêt par la grève. La vraie valeur travail, c'est vous, mes camarades. C'est personne d'autre, c'est les travailleurs. Et puis, on va gagner. C'est pas peut-être qu'on va gagner. Nous devons gagner et nous allons gagner. Philippe Martinez pour la CGT. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après tout ça ?
Allez, sérieusement, premièrement, vraiment, on est, vous êtes, nous sommes le reflet de tout ce qui se passe dans le pays en ce moment. Il y a des commentateurs qui ont dit, mais alors, entre le 16 et le 7, il ne se passe rien. Oui, il se passe plein de choses, encore ce soir. Je sais qu'à Grenoble, avant-hier, il y avait beaucoup, beaucoup de monde aussi. Il y a des retraites au flambeau. Donc, la mobilisation est toujours là. Après tout ce que j'ai entendu, le 7, la France sera à l'arrêt. Merci. Marie-Lise, bon, pour la CFDT. Et il nous reste une petite heure. J'ai de quoi vous expliquer. Non. Il commence à transpirer. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, mais quand même, un petit peu. Non, trois choses. Un, on est d'accord pour dire non. Deux, on est unis et on a l'idée de se dire le 7 mars, on met la France à l'arrêt. Et la question, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'on veut ce retrait parce que c'est injuste et brutal, mais qu'on a besoin de cette mobilisation pour pouvoir passer un cran au-dessus de tout ce qui a pu être fait aujourd'hui, et que s'il y en a qui voudraient en douter, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici dans la salle, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent. L'idée, c'est bien de gagner. Et donc, l'idée, quand on veut gagner, on se donne les moyens. Donc, c'est nous, en tant que responsables syndicaux, de pouvoir impulser, mais c'est chacun d'entre vous ici dans la salle et tous ceux qui nous regardent et ceux qui sont même à côté et qui ont envie de participer, c'est un mouvement inédit, hyper festif. Et on a confiance les uns en les autres et on sait qu'on a tous un objectif commun. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et donc on va gagner et donc on va obtenir le retrait. Et ça passe par une mobilisation le 7 mars inédite. Donc je compte sur vous pour casser la baraque et faire en sorte que ça soit inoubliable. Merci. Je vais demander à l'intersyndicale départementale de rejoindre la tribune et à Aurélien Touron de s'approcher pour présenter les initiatives de mobilisation dans le département. Vous m'entendez bien, les camarades ? Bon, lourde tâche que de clôturer ce débat aujourd'hui. On va commencer, je vous demande deux petites minutes d'attention et on vous libérera, rassurez-vous. On va commencer déjà par des remerciements. Donc tout d'abord, déjà remercier la ville de Laricamarie, l'équipe municipale et son maire, Cyril Bonnefoy, pour leur accueil. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Ensuite, on tient à remercier chaleureusement les représentants de l'intersyndicale nationale qui sont venus ici, qui nous ont fait l'amitié de venir dans la Loire, à Laricamarie, pour soutenir le mouvement, soutenir la lutte. Et pour ça, vraiment, un grand merci à vous. Pierrot, parfait. Merci également, bien sûr, à l'intersyndicale départementale qui a décidé d'organiser ce meeting aujourd'hui. Merci à eux pour l'organisation et tout ce qui s'est passé, toutes les responsabilités. Merci pour tout ce que vous avez fait. Franchement, bravo, vous avez géré. Donc pour ça, on peut tous vous applaudir. Merci. On va remercier également toutes les équipes techniques qui nous ont mis à disposition les vidéos, le son, notamment Pierrot. Merci Pierrot. Les camarades qui sont en face, dans la salle d'Aquin, ont pu assister au débat grâce à tout ça. Donc merci aux équipes techniques. Et enfin, le plus grand des remerciements, eh bien, c'est à vous, mes chers camarades, qui avez participé tous ensemble. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Nombreux pourquoi ? Parce que vous êtes déterminés, vous êtes convaincus et vous savez qu'ensemble, on va gagner. Notre union, c'est notre force. Il faut qu'on la conserve. Et ensemble, vous le savez, on peut soulever des montagnes. Donc franchement, merci à vous. Merci à tous. Merci à ceux qui étaient en direct sur les réseaux sociaux et qui nous ont suivis. Un grand merci, on lâche rien. Vous l'avez entendu, pas mal d'initiatives sont prévues dans la semaine à venir.
avec le 7, cet objectif un peu ambitieux, mais qu'il faut réaliser de mettre la France à l'arrêt. À Saint-Étienne, la manifestation partira à 10h30 du rond-point. À Rouen, la manifestation partira à 10h du centre universitaire. Dès le lendemain, le 8 mars, qui n'est pas la journée de la femme, mais bien la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, un rassemblement aura lieu à Rouen à 11h devant le siège du MEDEF. À Saint-Étienne, à 17h, une manifestation partira de la Bourse du Travail jusqu'à la place Jean-Jaurès. Ça, c'est pour le 8. Et le surlendemain, le 9, journée de la jeunesse, les personnels de l'EDUC seront rassemblés devant l'inspection académique à 11h, si je dis pas de bêtises, à 11h devant l'inspection académique à Saint-Étienne, au-dessus de Centre 2. Et le soir même, à Montbrison, sous-préfecture de la Loire, une manifestation partira à 18h. Donc, comme vous le voyez, des initiatives sont prévues. On compte sur vous toutes et tous pour être présents, pour y participer, pour amplifier cet effet de masse qu'on arrive à créer depuis plus d'un mois. Et franchement, rien que pour ça, on peut s'en féliciter et on peut tous s'applaudir. Avant de vous libérer, bien entendu, et de vous envoyer boire un petit pot fraternel aux buvettes, merci d'ailleurs aux camarades qui ont géré la logistique, boissons et nourriture. Avant de vous libérer, juste vous dire une chose. La retraite, ça provient de quoi? Ça a été dit, ça vient de la Résistance et du Conseil national de la Résistance qui avait mis la retraite, les droits à la retraite dans le programme du CNR dans le cadre de la mise en place de la sécurité sociale. Les résistants d'hier, voilà ce qu'ils nous ont laissé. Des droits à la retraite. Nous, aujourd'hui, quand on se bat pour conserver ces droits à la retraite, pour préserver l'acquis et même l'améliorer, eh ben, on devient en quelque sorte les résistants d'aujourd'hui. Et pour que les résistants d'aujourd'hui deviennent les grands vainqueurs de demain, je vous donne rendez-vous dans la rue le 7. Tous ensemble, on va la faire sauter! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Plus fort, plus fort, plus fort! Je vous souhaite une bonne soirée, mes camarades. Et on n'oublie pas, après le petit pot fraternel, le concert animé par notre camarade Eric. Il est juste là-bas. Il y aura un petit moment festif. Restez avec nous. Et on lâche rien.